The Morning Show. J'écoute le morning de G-Foot dans toute la France. C'est là qu'ils pensent. Ils sont premiers sur son réveil. Ouais, ouais. Ils sont premiers sur le cash. 1500 euros, c'est gagné. Et ils sont prêts à tout. Pour te réveiller en direct sur Skyrock jusqu'à 9h. Dans toute la France, le morning, c'est là qu'ils pensent. C'est le morning de G-Foot sur Skyrock. 6h-9h tous les matins. Et bonjour, 6h du matin sur Skyrock, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne nuit, ou alors que vous avez bien bossé, parce qu'il y en a aussi qui bossent et qui nous écoutent ce matin. On va se réveiller ensemble et c'est le jour le plus long de l'année, le jour de l'été. Ça y est, on est le 21 juin, et ouais, jour le plus long de l'année. Regardez bien le soleil. Enfin, si vous en avez, on n'en a pas trop, mais... Pas de ouf, non. Non, on a un ciel très très joli, par contre. C'est-à-dire que la journée fait plus de 24 heures. Ouais, exactement, ouais. Tout à fait, ça, tu as compris. La journée la plus longue de l'année aujourd'hui. Très bien. Profitez bien, puis jour de la fête de la musique aussi. Si vous avez prévu des trucs pour ce soir, pouvez nous dire d'ailleurs. Fête de la musique, retour de la fête de la musique. Sans trop de Covid, enfin, il y en a pas, mais on vit à peu près normalement, donc on va en profiter. Dites-nous ce que vous avez prévu de faire ce soir, et nous, bah, ce soir, nous sera Radio Libre. Entre 21h et minuit, on aura notre rendez-vous tous les soirs. Pouvez nous faire vivre tout ça. On parlera donc de la fête de la musique, de la musique, du gros son. On va en écouter ce matin. Il y a Soul King qui arrive, tiens. Soul King qu'on va écouter avec Soave Mente. On écoutera Anita, il y aura Yans, il y aura Rema qu'on écoutera tout à l'heure. Et puis évidemment votre morning et on va parler d'amour et faire un débrief d'une émission à découvrir tout à l'heure à 6h20. Une émission à découvrir, un invité mystère et puis Amour et psychopathe. Ah, c'est bien, une psychopathe ça. Donc. Ah, une psychopathe, ouais. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Bonjour Sam d'ailleurs. Bien bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Cariole. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Ça va, on est content de te retrouver. Ça s'entend d'ailleurs. Oui, on entend ta voix. Tu as une très belle voix. Tout va bien. Bah bonjour Cariole, bonjour Karim. Les deux cas sont là. Bonjour les cacas. Bonjour les cacas. Salut les cacas. Salut les cacas. C'est excellent. On devrait faire un groupe tous les deux, les cacas. Bonjour Guigui. On a Guigui. Bonjour tout le monde. On a Karim, on a Cariole. Et il y a Théo qui réalise le morning comme tous les matins. Et on a Astérix à vous filer. Vos séjours à Astérix, c'est valable pendant un an. C'est pour 4 personnes. Vous allez au parc, on vous offre l'hôtel et la totale. Donc tout le parc pour vous. C'est à gagner ce matin si vous laissez vos messages. Pour nous laisser vos messages, ben, on vous salue déjà. C'est au 41759 sur l'appli Skyrock. Bonjour à Med qui nous envoie un message, bonjour à FC, bonjour à Agira qui est là. J'ai vu quelqu'un qui conduisait son bus ce matin là, je sais plus qui c'est. Parce que les messages défilent déjà très très vite, c'est gentil. Bonjour à toi qui nous écoute dans ton bus, je te retrouve dans un instant. Et je te fais un coucou, il fait chaud à Marignane, nous dit Nini. On salue Capucine qui vient d'arriver. Et puis tous les autres, hein, vous avez la parole dès le réveil. Profitez-en. Et Alex, elle est en direct de son bus, elle nous écoute ce matin. Salut à toi Alex. Et on salue également Rémi, et puis tiens, je ne vais pas donner le WhatsApp audio, 06 86 101 101. Déjà, si vous avez des trucs de prévu pour la fête de la musique, vous nous envoyez vos messages. Allez-y, ou alors un souvenir de fête de la musique. Vous êtes allé à une fête de la musique avec des potos, c'était complètement pété. Ou alors c'était super. Ou alors vous y êtes allé avec la famille, vous êtes pris la tête. Enfin, dites-nous tout. On vous attend, donc 06 86 101 101. C'est le meilleur moyen pour gagner votre séjour à Astérix et pour venir faire les cons avec nous. On aura aussi un iPhone 13, on en reparle dans un instant à gagner ce matin. Promis, juré. Ça va tomber avant 9h15. Et là, attention, il est là, c'est l'heure des infos, c'est l'heure de Rémi. Comment ça va Rémi? Bah la pêche, nickel. Eh bien écoute, content nous aussi, on est content de vous retrouver. C'est l'été, et ouais, on est le 21 juin et il est 6h03, voici nos premières infos sur Skyrock et notre première météo du jour. Et premier jour de l'été avec des orages ce matin en Bourgogne et en Champagne-Ardenne, ils vont se décaler vers le nord du pays au fil des heures. Le soleil reviendra au nord de la Seine mais également en Bretagne. En revanche, les orages vont se réactiver dans l'après-midi sur les deux tiers sud du pays, le temps restera agréable sur le bassin Aquitaine et la Corse. Les températures ce matin, nous avons 11 à Lille, 14 à Paris, 21 à Marseille et à Lyon. Cet après-midi, il fera 19 sur la pointe du Cotentin, 22 sur la côte normande, on aura 23 en Bretagne, 24 près des frontières du Nord, 26 sur les Ardennes, 27 en région parisienne, on aura 29 aujourd'hui sur la Haute-Garonne, 30 pour l'Alsace, 31 sur la région PACA, on aura 33 en Bourgogne, 34 dans la Loire et jusqu'à 36 en Vallée du Rhône. La pollution, c'est mauvais, les indices entre 3 et 6. Et le point sur l'actu tout de suite sur Skyrock. On prend les mêmes et on recommence. La RATP et la SNCF seront touchés par des appels à la grève.
démarrer vendredi, jour de finale du top 14 entre Montpellier et Castres au Stade de France. Cela rappelle évidemment les perturbations lors de la finale de la Ligue des Champions avec le chaos que ça a entraîné. Quasiment toutes les lignes seront concernées. Les syndicats se plaignent des changements incessants de planning. Ils réclament aussi des hausses de salaire. Plus de peur que de mal hier en Gironde, mais des dégâts assez importants par endroits. La grêle s'est abattue sur le département. Peu de communes ont été épargnées. Les grêlons étaient par endroits aussi gros que des balles de golf. Les pompiers sont intervenus à 200 reprises. La mort d'un plaisancier dans les Landes. Son bateau a été retourné par la houle à 150 mètres de la côte. L'un des deux passagers a réussi à se dégager et a été pris en charge par les sauveteurs. La victime, en revanche, n'a pas pu être réanimée par les secours. Le jeu d'équilibriste d'Emmanuel Macron, le Conseil des ministres prévu aujourd'hui, est annulé. À la place, le président va recevoir les représentants des forces politiques susceptibles de créer un groupe à l'Assemblée. Dans ce contexte, on se demande à quoi ressemblera la NUPES au Palais Bourbon. Jean-Luc Mélenchon rêve d'un groupe uni. Pas question pour Europe Écologie, les Verts et les communistes. Ils estiment qu'ils seront plus forts avec plusieurs groupes. Ça commence bien. Même avis pour le Parti Socialiste qui considère que l'union n'est pas la fusion. Et oui. Et le point sur le sport maintenant sur Sky. L'affaire est pliée. Après des semaines de discussions et de négociations, l'Olympique Lyonnais a trouvé son nouvel actionnaire majoritaire. Les Lyonnais ont officialisé la nouvelle et le club passe donc comme convenu sous pavillon américain. C'est John Textor qui a été choisi par le conseil d'administration d'OL Group pour devenir l'actionnaire majoritaire. Mais rassurez-vous, Jean-Michel Aulas reste le PDG. Ah, voilà des bonnes nouvelles. Et Christophe Galtier à Paris, on en reparlera tout à l'heure. Mais Paris n'a pas confirmé, mais visiblement il y a un accord pour 10 millions. Ouais, c'est pas confirmé, mais on en reparlera. Dans la matinée, c'était un peu le désespoir chez nos Parisiens hier soir dans la radio libre quand on a appris la nouvelle. On en saura un peu plus ce matin. Bon réveil et bonne journée. Allez, c'est parti sur Skyrock le morning. Et donc l'iPhone 13 a gagné ce matin. On va vous l'offrir. Vous savez qu'on est à J-3 des 13 000 euros. 13 000 euros, c'est à gagner vendredi. Donc pour ça, il faut envoyer 13 au 7-20-20. Et si vous envoyez 13 au 7-20-20, vous serez peut-être tiré au sort ce matin à n'importe quel moment du morning pour gagner votre iPhone 13. C'est simple, vous écoutez le morning, on vous appelle, vous répondez et vous gagnez. On vous souhaite bonne chance d'avance. Et votre fête de la musique à vous, nous on va la faire avec Nino dans un instant. Enfin, c'est la fête de la musique. C'est le réveil de Star qu'on va retrouver. Nino en tournée avec Skyrock en septembre et en octobre encore. Il continue de tourner et on le retrouve dans un instant. Le réveil de Star et vos fêtes de la musique à vous. Alors, des bons souvenirs de la fête de la musique. Moi, j'ai rien à vous raconter parce que la fête de la musique, on l'a fait sur Skyrock tous les ans. Quasiment, on est en direct pour la radio libre. Pour la radio libre. Pour la radio libre. Guigui, toi, qui arrivait. Il y a quelques années, je me rappelle. Il y a pas très longtemps, tu faisais des fêtes de la musique avec tes potos. Écoute, c'était pas trop la folie, mais je me rappelle. Tu serrais comme un ouf. Tu allais dans les rues et tu draguais les meufs. Bonne journée pour draguer les potos. Nous raconter si vous avez fait des belles rencontres lors de la fête de la musique. Racontez-nous tout. Ah, c'était la folie, laisse tomber. On attend les témoignages. Je pouvais en serrer, je m'en étouffe. Mais je pouvais. Je pouvais en serrer une dizaine grâce à la fête de la musique. Une dizaine de quoi? De rien du tout, en fait. De rien du tout. Mais je me rappelle une année, ouais, on avait fêté Courbevoie au parc de Bécon, pour ceux qui connaissent. Oui. C'était à côté. Et je me rappelle, genre, il y avait que des mecs qui jouaient de l'accordéon. C'est super. Donc en fait, il y avait que des anciens. Bah, tu peux serrer des granits. Voilà, exactement. Donc, c'était pas trop la folie. C'était une des rares fois où je l'avais fêté, tu vois. Donc bon, c'était pas. C'était la folie, hein. T'as fait quoi pour la fête de la musique? Les bars à Paris, bière, chaque bar. Une bière dans chaque bar. C'est pas la fête de l'alcool, quand même. Tu trompes pas. Non, c'est la fête de la musique. C'est bien la fête de la musique. On allait voir chaque groupe dans chaque bar. Ah, alors ça fait du monde, tu vois. D'accord, et à chaque groupe, tu bois un petit verre. Tu bois un petit verre, très bien. Sam, la fête de la musique. Tu veux un avis sincère? Oui. Je déteste la Pourquoi fête de la pas musique. Pourquoi t'aimes pas ça? Non, mais tu as le droit de pas aimer la fête de la musique. Je déteste ça. Moi, je trouve ça. Que c'est super, c'est un truc français qui est dans le monde entier maintenant. Parce que comme c'est à l'horaire où je vais bosser, c'est-à-dire que je prends les transports, c'est-à-dire que je vois tout le monde s'amuser, alors que moi je vais bosser, et les gens ils sont bourrés, tu sais, ils te bousculent, ils te chantent dans les oreilles, ils veulent danser avec toi, et je déteste ça. Parce que comme je suis un vieux aigri, oui, je déteste voit, ça. Un vieux aigri de 27 ans. Voilà, c'est ça. Mais je suis un vieux aigri. Du coup, je déteste la musique. T'as beaucoup fait rire Théo déjà, ouais. De la musique. Non, mais à la rigueur, j'aimais bien quand j'étais au collège. Bah alors voilà, t'as peut-être des trucs à nous raconter. Racontez-nous à la fête de la musique. Bah, tu sais, quand t'as ta ville qui fait la petite fête et que t'as que des mecs pétés, que t'es avec les mecs de ton école et que tu te foutes leur gueule. Nous, il y avait une meuf au quartier, elle se prenait pour une grande chanteuse et chaque année elle faisait la fête de la musique, elle chantait au quartier. Et elle chantait mal. Ah ouais, putain, incroyable. C'était horrible. Ah, mais c'était bien, on se foutait de sa gueule. Donc en fait, ça peut être la fête des comiques aussi, la fête de la musique. Aussi, ouais. Bah, par contre, des comiques qui ne se rendent pas compte. Ouais. Bon, racontez-nous, on fait la fête de la musique aujourd'hui, on fête l'été. On est en direct jusqu'à 9h15 sur Skyrock et puis, bah, je vous disais, l'iPhone 13 a gagné. Bonjour Médéline. Bonjour Médéline. On lui a pas dit bonjour, vous l'avez entendu, elle était triste parce qu'on ne lui a pas dit bonjour.
bonjour le petit chien. Bonjour petit chien. Mais qu'est-ce qu'elle veut la bête? Son petit déjeuner. Ah, son petit déj. Ah. Allez, tiens. Oui. Bon petit déj à vous aussi. Tiens, prends ton petit déj, Médéline. Allez. Bon petit déj à vous aussi. Bon réveil sur Skyrock. Tu gâches le moment, Zifoul. Ah, faut pas que je parle quand elle mange. Ah, putain, la relou. Hein, je parle pas de Médéline, je parle de Carriole, bien sûr. Bien sûr. Et Soul King pour démarrer avec du gros son. C'est parti, c'est Soave MNT à 6h09. Soave MNT sur Skyrock, c'était Soul King. Vos messages 06 86 101 101. Les WhatsApp audio, vous nous les envoyez tout au long du morning. On parle de la fête de la musique et des gros stuff de la musique que vous avez fait. Il y a Nini qui nous envoie un message qui dit: moi, il y a 2 ans, on s'est retrouvé au milieu de 20 CRS parce que mon pote s'était embrouillé. C'est super ça. Ah ouais, merde. Voilà une fête de la musique. Ils ont fait de la musique avec leur voiture. Ah ouais, tu le message de Brooklyn aussi du 79. Salut à toi, Brooklyn. J'ai fait de la fête Non, Broly. C'est quoi? Broly. Ah, Broly, pardon. Ouais. Salut à toi, Broly. Ah oui, c'est vrai. Broly qui nous envoie un message qui dit: j'ai fait la fête de la musique dans une caserne de pompiers. Je peux vous dire que ce sont des vrais dragueurs, les pompiers. Tu vois, Carriole, toi qui es fan des pompiers. Mais j'ai déjà fait un bal du 14 juillet avec les pompiers. Donc ah, là, ça, on n'est plus sur le. Oui. C'est pas la fête de la musique. Mais ils savent bien s'amuser, ouais. Ils ont sorti leur lance. Ouais. Ah ouais, bien, bien. Et tu aimes bien la lance des pompiers. J'adore la lance des pompiers. Très bien. Mais il y avait de la musique dans la caserne. Ah, bien sûr. Non, mais c'est une grosse stuff. Le 14 juillet, c'est vrai, c'est une grosse stuff. Pas de fête de la musique pour nous qui bossons. Bonjour, ami routier, c'est Tips qui nous dit ça. On compte sur vous pour ça. Bah, tu pourras compter sur nous. On fera... Alors, ce soir, ce ne sera pas une émission musicale à la Radio Libre. On aura du bon son à écouter. Mais on fera Radio Libre avec vous en direct dès 21h. On compte sur vous. Donc, la fête de la musique, c'est vrai que moi, j'ai rien à raconter. Donc, j'attends vos messages. Allez-y, profitez-en. Au revoir, c'est honnête. C'est pareil, gros. Bah, la fête de la musique, bah oui, car c'est un petit moment que tu fais Radio Libre avec nous. Ouais. Et Guigui, tu vas voir, dans 10 ans, tu n'auras plus rien à raconter. J'aurais oublié mais mon histoire, carrément. Même dans 2-3 ans, t'inquiète. Ah, ok, ça, bah, vite, allez, gros. Ça sera fini les fêtes accordéon, tout ça. Moi, la fête de la musique, c'est pété tous les ans. Il y a que des groupes de merde qui font du bruit le soir. Et moi, comme je bosse à 6h du matin. Ah ouais, t'as déjà commencé à bosser, toi. C'est Mao, là, qui nous envoie le message. Comme je bosse à 6h du matin, ça m'énerve. Oui, enfin, c'est un jour dans l'année, c'est sympa. Tu fais une nuit blanche. Ça permet aux comment dire, aux musiciens amateurs, hein, ouais, ouais, aux nouveaux talents de se faire découvrir, c'est pas mal, c'est vrai, c'est pas mal. Et t'as Nikos qui dit la fête de la musique, c'est encore un prétexte pour finir complètement ivre. Bien sûr. Ouais, ah non, mais c'est vrai que c'est valable. En France, tout est prétexte pour finir ivre. Les matchs de foot, les concerts, etc., etc. Et ça se fait toujours ça, parce que moi je me rappelle, putain, c'était il y a longtemps, hein, quand j'étais petit. Genre, il y avait des groupes d'orchestre qui passaient en bas de chez moi, ils faisaient de la musique, et les gens, ils jetaient des pièces. Ouais, par ouais, la ouais, 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 ouais. Ah ouais, ils font ça. Ah, je te jure, ouais. Ah, mais à l'ancienne, hein. Moi aussi, il y avait un mec qui passait avec une machine, tu sais, il tournait une manivelle et ça faisait du. Tu sais, de la musique. Ah ouais. Ça, c'est une musique horrible, ça fait. Et bah, le mec, il marchait dans la rue comme ça, et les gens. Ouais, et les gens par la fenêtre jetaient des pièces. Mais c'est quoi son talent, mec? Il tourne juste une manivelle, frère. Ouais, ça faisait de la musique, c'est chelou. Il faut jeter des pierres. Ouais, non, mais son talent, c'est de passer de la musique. Ouais, ça n'en passait quoi. Il tourne une manivelle en soi. Bon, si vous avez des enregistrements d'ailleurs de fête de la musique, je sais pas, ou des vidéos que vous avez prises lors de la fête de la musique. Des souvenirs, ouais. Ouais, vous pouvez nous le faire écouter ce matin, 06 86 101 101. N'hésitez pas, on écoutera ça avec donc notre fête de la musique à nous. Et l'été en plus, aujourd'hui. Je voudrais d'ailleurs faire un gros bisou aux Girondins qui nous laissent des messages, qui nous en ont laissé hier soir dans la Radio Libre pour nous informer des grêlons qui étaient tombés sur la banlieue bordelaise. De gros grêlons. Bah ouais, vous auriez dû jouer au tennis. Comme des balles de tennis, nous dit Thibaut là sur la piste Skyrock. Salut à toi Thibaut et bon réveil avec nous. Et il y a peut-être des embrouilleux si vous pouvez nous raconter. On va aller faire un petit tour sur vos messages. On écoutera vos WhatsApp. La fête de la musique à retrouver et du gros son à écouter aussi. Dans un instant, on a Anita et Envolver. Et tout de suite, il en fait de la musique, mais oui, c'est Nino qu'on va retrouver. Nino qui fait aussi le réveil de star ce matin. Il parle avec une star. Ça va quoi? Mais ils le savent pas. Franchement, je vois pas qui c'est. Hein. Tiens, c'est Nino. C'est le réveil de star. Nino, de où? Seulement sur Skyrock. Eh ben Nino, sur Skyrock, dans le réveil de star, ce matin, en concert avec Skyrock, en tournée avec Sky, vous l'avez peut-être déjà vu en tournée, sinon ça reprend au mois de septembre et au mois d'octobre. Nino, on le retrouve tout de suite. Il va draguer et il va parler de drogue, draguer drogue, dans le réveil de star ce matin. Et on a réveillé Johnny. Ah oui, c'est Johnny. Johnny qu'on retrouve dans le réveil de star à 6h15 sur Skyrock. Allô? Allô? Attendez, j'entends rien, allô. Ah, oui, bonjour. Ça commence bien. Alors, vous êtes qui? Salut, c'est Nino. Ouais. Johnny. Non, je vous le passe. Ah ouais, c'est génial. Non, c'est génial. Allô? Oui, bonjour. Y a Johnny. Bonjour. Ça va ou quoi? Et c'est qui? C'est Nino. Hein? Salut, c'est Nino. Oui? Je sais qu'elle m'aime à la folie. Mais oui. Eh, tu te fous de ma gueule, non? Il paraît que tu as annoncé vouloir faire un break. Eh, tu me prends pour un con ou quoi? Ouais, carrément.
Ouais, ben, fais gaffe à ta gueule, parce que moi, je vais te démonter. Bla, bla, bla. Je vais te démonter ta gueule si je te rends compte, d'accord? Fais pas le coup du patron, gros. Hein? Tu fais pas le patron, gros. Ah ben, viens, viens, t'attends. C'est du cannabis de ouf. Ah bah oui, je fume pas de la drogue non plus, connard. Ah bah. Mauvais, mauvais bandit, bandit, on pense qu'à voler, ouais. Non, mais t'es vraiment un shooté, toi. Good vibes, c'est ça, tu connais, tu veux. Un shooté. T'es un connard, toi, ouais. Dès que j'ai un petit temps, tac, je passe. Eh, je te préviens que t'es sur enregistrement, hein. Ça peut arriver à tout moment. Ah bah, ça, tu te démerdes, moi, sur la gendarmerie. Oui, gendarmerie nationale, c'est qui? Ça va quoi, mon frère? Ouais, tu veux te retrouver au poste? Oh, mais à moi, c'est que nous deux. Ouais, c'est ça. Maman dans ta gueule, t'en veux? La reine du royaume, c'est toi. Ouais, bah, grand amour, tu vas le faire ailleurs, mais pas ici. C'est mignon. Oui. Bon, c'était mignon. C'est fini? C'est fini. C'est fini. Ah, elle est partie. Elle est partie. C'était la femme de Johnny. Johnny, sa femme. Elle fait très bien la gendarme. Les gens ont du talent. On parlait du talent lors de la fête de la musique. Il n'y a pas que ça. Hein. Talent lors des doubles appels. Lors du réveil de star. Prochain réveil de star dans moins d'une heure sur Skyrock. À 7h15, si vous voulez qu'on prépare ça, vous nous laissez les numéros de ceux que vous voulez qu'on réveille. Et puis on aura les doubles appels à retrouver dans une demi-heure tout à l'heure et du son maintenant. C'est parti. C'est Anita et c'est Envolver. Aujourd'hui, c'est mardi. Écoute le morning de Difool sur Skyrock. C'est Envolver sur Skyrock, c'était Anita, il est 6h20. Alors faites de la musique, vos témoignages, et oui on a promis d'en reparler, on parlera de plein d'autres choses aussi ce matin. Oui. Restez bien sur Skyrock. Avant de retrouver également nos invités mystères, le premier invité mystère, une émission à découvrir dans un instant. Oui. Une émission avec une psychopathe, tu nous as dit. Une ouf. Exactement, ouais. Mais une vraie psychopathe. Dingue. Ah, une, vraie psychopathe. On va parler d'amour dans un instant. Voilà. Un petit indice sur l'émission dont on va parler dans un instant sur Sky. Et on a Miguel au téléphone dans le 72 en direct de la Sarthe. Salut à toi, Miguel. Oh, Miguel. Salut, Difool. Salut, l'équipe. Salut. Salut, Miguel. Bienvenue sur Sky. T'habites où? T'habites au Mans? Ouais, c'est ça. Juste à côté, un petit village. Eh bien, on salue le petit, comment il s'appelle ton petit village? Sauce-sur-Ruine. Ruine. Sauce sur ruine. Ouais. Saucisse en ruine. Ça fait peur à Medellin. Sauce sur ruine. Très bien. Eh bien, j'espère que tout va bien dans les ruines de la Sarthe, là. Nickel. Bah, bienvenue à toi, Miguel. Alors, la fête de la musique, t'as des souvenirs? Bons souvenirs de la fête de la musique, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, toujours des bonnes soirées, mais pas trop de souvenirs. Toujours fini pété. Ah oui, t'es tellement ses oreilles de Medellin que vous entendez derrière. Ouais, ouais. Après avoir aboyé, elle est très cabot ce matin, ce chien. Hein. Oh. Il est mignon. Alors oui, donc t'as pas de souvenirs, c'est con ça. C'est vrai, t'es bourré, merde. C'était des bonnes soirées parce que normalement tout le monde avait le sourire, donc ça a été. Oui, bah, tout le monde avait tout oublié. Tout le monde avait tout oublié. C'est con, quand vous buvez trop, vous vous retrouvez dans le même état que Miguel et vous avez rien à raconter derrière. Ouais. C'est dommage, ça, Miguel. Hein. Mais même pas un petit éclair, un petit souvenir, un groupe qui déchire tout, je sais pas. Un flashback, quoi, non, ouais, rien. Non, rien. Dans les groupes qui déchirent tout, non, pas trop, parce que souvent, ils sont claqués. Ouais. Ouais. Ok, ça suit les messages que vous nous laissez depuis tout à l'heure, depuis 6 heures, d'ailleurs. Hein. Non, ouais, la meilleure, c'était sur Tours. En fait, on a fait tourner des bars comme ça, et j'avais un pote qui était barman, ça fait qu'on a teasé à l'œil toute la soirée. D'accord, en fait, oui, c'est une histoire d'alcool. Il a fait la tournée d'un bar d'alcool, en fait. Très bien, donc, c'était comment la fête de la musique? T'as vu quel groupe? Non, bon, j'ai fait la tournée. Il y avait de l'alcool gratuit. Très bien. Voilà, c'était alcool et pilon. Et pilon, en plus. Ah, pas mal. Bon, eh ben, écoute, bonne fête de la musique. Si t'es dans un état un peu limite, tu n'hésites pas à nous appeler ce soir. Hein. Très bien, on compte sur toi, Miguel. On sera là entre 21h et minuit. Vous nous ferez vivre ça sur Skyrock, évidemment. Hein, dès 21h, vous avez la parole tous les soirs. Et puis tous les matins aussi, vous nous racontez 06 86 101 101, les WhatsApp audio. Et puis bah, l'appli Skyrock, le 41759. Et Miguel, je te mets dans le tirage au sort pour gagner tout à l'heure Astérix. Ah, ça serait nickel pour les enfants. Ben oui, et bien Astérix, ce sera pour toi, j'espère en tout cas. 9h15, tirage au sort. Et vos messages WhatsApp, tiens, qu'est-ce que vous avez fait pour la fête de la musique? Voici les messages que nous envoyons. Voilà le message que nous a envoyé Juju. Eh, hey, salut l'équipe. Salut Juju. Voici Jules du 08. Salut Jules. Eh ben, emploi du temps en ce jour de fête de la musique. Oui. Je vais faire péter les watts, je vais faire chanter ma femme. Ce soir, c'est baise à volonté. Oh. Allez, salut. Salut, elle veut faire des vocalises. Très bien, Jules. Eh bien, tu peux nous appeler, Jules. Hein, tu nous appelles ce soir, 21h minuit. Tu nous raconteras tout ça. Et Steven aussi nous a laissé un message. Salut l'équipe, c'est Steven de Valence. Salut Steven. Alors, pour la fête de la musique, avec ma femme, on va aller en ville ce soir, boire un verre. Ouais. Il y a plein de petits concerts, c'est sympa. Oh, cool. Et bon, en rentrant,
je vais lui faire faire de la flûte. Oh. Allez, bisous. Mais les gars, vous pensez qu'à ça, c'est dingue, ça, quand même. C'est très classe. C'est bon. C'est classe, ouais. Bah, elle va jouer de la flûte, j'ai bien sûr. Allez, on vous met tous dans le tirage au sort pour Astérix tout à l'heure. Votre séjour Astérix a gagné. Et ben, bah, vous le voulez, on va jouer ensemble là tout de suite. Il suffit de passer sur l'antenne et de découvrir quelle est l'émission mystère. Devine qui c'est. C'est l'invité mystère sur Skyrock. L'émission mystère à découvrir là tout de suite sur Skyrock. Et on va retrouver Karine. Karine, elle s'appelle, c'est Karine, ça ouais. Karine de l'émission mystère. Écoutez bien. Mon frère, c'est une personne en or. Ah oui, elle va nous parler de son frère. Son frère qui va se marier. Je vous ai donné un indice déjà pendant le nom de l'émission mystère. Il faut être sincère. Je suis possessive. C'est une évidence avec lui. Elle est possessive avec son frère. Très, très possessive même. C'est vrai que de ne pas l'avoir près de moi à ce moment-là, j'ai l'impression d'être perdue. Donc j'ai hâte qu'il arrive. Oui, mais tu vas pas vivre avec ton frère et sa femme. Enfin, parce qu'il va se marier. Oui, oui. Sa future femme. Oh. Je suis à la fois un peu triste parce que je vais donner mon frère à quelqu'un. Oui, enfin, tu vas le donner. Il est pas à toi. C'est ton frère, mais c'est pas. J'espère qu'elle sort. Elle saura le rendre aussi heureux que je vais pleurer. Ah ouais, donc dans cet état. Oui, voilà. Ah ouais, donc on va la découvrir, on va savoir encore, un petit peu là plus. Là encore, ça va. Ah là, ça va encore. Attendez la suite. La suite dans un instant, mais d'abord le nom de l'émission, vous nous l'envoyez avec votre appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm. Un indice, on nous dit c'est fait entrer l'accusé pour Blue, c'est pas ça? Non, ça sera bientôt ça. C'est pas fait entrer l'accusé. Ça sera après. Pas encore. Donc là, pour l'instant, c'est juste le début. Allez, on vous fait écouter tout ça et puis vous nous laissez vos messages, appli 41759, skyrock.fm. Pack digital à gagner. Vous avez vos enceintes, vos écouteurs Bluetooth et votre power bank à choper tout de suite sur Skyrock. Il est 6h25. C'est la radio des numéros 1. Salut, c'est Val dans le morning de Tifoul. C'est Pelka, c'est Maï sur Skyrock. C'est Kobalade, Sorel San, Aya Nakamura. Les numéros 1 se réveillent avec Tifoul sur Skyrock. 6h-9h, bienvenue dans le morning de Tifoul. Premier sur ton réveil. Et Aya Nakamura qui va venir se réveiller avec nous jeudi matin, ne la loupez pas. Aya Nakamura avec un nouveau son qui tourne sur Skyrock qui s'appelle Méchante. Elle est méchante. Méchante. Il y aura Réma à écouter, tiens, puisqu'on parle de son. Dans un instant, Réma, après les infos et après vos 1 500 €. Kobalade et Naps, nous les retrouverons aussi avant 7h du matin. Puis je vous parlais des doubles appels. Et puis surtout, notre invité mystère, notre émission mystère à découvrir. Elle est très triste parce que son frère va se marier. Dans quelle émission on l'a trouvé? J'espère qu'elle saura. Elle saura le rendre aussi heureux que je vais pleurer. C'est la sœur du marié. C'est ça. Et qui est très triste, elle s'appelle Karine. Et on a Laurie qui a découvert la première, le nom de l'émission mystère. Laurie en direct du 30. On est dans le Gard. Salut à toi Laurie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. À toi. Salut Laurie. Bienvenue Laurie. Et donc tu as trouvé le nom de l'émission mystère. Est-ce que tu es possessive toi aussi? Non. Non. Est-ce que tu as un frère? Oui, frère et sœur. Est-ce que t'es amoureux de ton frère? Oui. Est-ce que tu pleurais ou est-ce que t'as pleuré lorsqu'il s'est marié ou s'il se mariait? Pleurer, oui, mais bon, pas pour la possessivité. Oui, voilà, pas pour la possessivité. D'émotion. Alors, on va retrouver donc Karine dans un instant. C'est bien pour eux. Oui, là, c'est bien pour eux. Karine, dans quelle émission on l'a découverte, nous? Marié au premier regard. C'est ça, Marié au premier regard. L'émission d'M6. Eh bien, bravo Laurie, tu gagnes ton pack digital. T'as la bonne réponse, pack digital, et tu gagneras peut-être Astérix tout à l'heure pour 4 personnes. Le séjour à gagner, on fera le tirage au sort à 9h15 tout à l'heure, à la fin du morning. Et donc, on va regarder, enfin écouter plus précisément, parce que nous sommes à la radio sur Skyrock, comme tous les c'est matins. C'est pratique, ouais. Oui, c'est mieux. Écoutez ce qui s'est passé dans Marié au premier regard. Donc, l'histoire, c'est simple. Il y a Bruno et Alicia qui se sont mariés. Et Karine, la sœur de Bruno, le frère qui se marie, qui le prend moyen. Elle explique un petit peu les relations qu'elle a avec Bruno. Mon frère, mon seul et unique frère, c'est mon double, c'est ma vie, c'est l'homme de ma vie. Hein. Désolée à la future mariée, mais c'est l'homme de ma vie. Bon, c'est mignon. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. Elle aime son petit frère. J'ai l'impression de perdre quand même une petite partie de moi. Il est plus rien qu'à moi, il est à quelqu'un d'autre maintenant. Ah oui. Et c'est pas juste sa copine, c'est sa femme. Oui, donc il fait des trucs avec sa femme qu'il fait pas forcément avec toi. Et là, elle discute avec une témoin. C'est ça. T'es jalouse avec Bruno? Non. Non. Possessive. Oui, voilà, c'est possessive. Ça quand même. Oui. Non, je ne suis pas jalouse. Non. Ton copain, il est pas jaloux de ta relation avec Bruno? Il a pas le choix.
qui montre même pas de jalousie parce que ça mène à rien. Non. D'accord, bon, ça annonce la couleur. Ah oui, par contre, je suis taureau, hein. Faut pas l'oublier. Hein. D'accord, elle va lui foncer dessus. Elle va lui foncer dessus. Elle va mettre ses je suis un taureau. Et puis, bah, le jour du mariage arrive. C'est ça, c'est et là, ça. Et là, et là, et là, et là, ça va pas. Ça va pas du ça tout. Ça va plus du tout. Karine va pas. Elle pleure pas. Allez, toi, ma soeur. Elle pleure pas. Elle est en fait, elle est vraiment triste, la pauvre. Bah oui, elle n'aime pas l'émotion, là. Non, elle est triste, oui. J'ai juste peur de le perdre. Oh putain, la puce, elle est la puce. J'ai juste peur de perdre ma moitié, de perdre mon frère. Et là, elle parle avec la femme de. Avec la mariée. De Bruno. Un bon courage de la mariée pour les repas de famille, ça va être sympa, là, tu vas t'éclater. J'ai l'impression que ça va très, 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 très vite. Bah, on est mariés, quoi. J'ai pas envie de te faire peur. J'ai pas envie de te faire peur, vraiment, c'est pas le but. C'est pas le but. C'est une mise en garde. Voilà, c'est une mise en garde. Mais la question, c'est comment elle l'a pris, Alessia? Bah, pas top. Pas top. Tu m'étonnes. Pas top. Ils sont toujours ensemble. L'émission a été tournée quand? Il y a 6 mois. Ouais. 6-7 mois, ouais. Si vous avez quelqu'un qui vous a cassé les pieds, on va dire les pieds. S'il y a quelqu'un qui vous a cassé les pieds lors d'une histoire d'amour, quelqu'un qui était jaloux, je sais pas, votre frère par exemple ou votre sœur, qui était jaloux, votre frère qui n'arrête pas de vous surveiller, les filles. Votre mère peut-être. Votre mère, ouais, c'est vrai aussi. Votre mère qui était super jalouse de la meuf avec laquelle vous êtes mariés, les gars. Ou votre père. Voilà, ou votre belle-mère qui était jalouse. Vous voulez gérer la meuf. Vous nous dites, oui, exactement, vous nous dites tout. On attend vos témoignages au 06 86 101 101. Et on écoutera les WhatsApp là tout à l'heure. Bisous Laurie, à tout à l'heure à 9h15. Bon tirage au soir. Bisous, bisous. Ciao Laurie. Salut. Salut le 30, salut la France. Bon réveil et notre météo sur toute la France. Tout de suite Rémi, quel temps va-t-il faire aujourd'hui en ce mardi 21 juin, jour de l'été? Eh ben, c'est pas mal orageux en tout cas ce matin. Si vous êtes en Bourgogne, Champagne, Ardennes, les orages qui vont se décaler vers le nord du pays au fil des heures. Le soleil va revenir tout de même au nord de la Seine, mais également du côté de la Bretagne. Par contre, les orages vont se réactiver dans l'après-midi sur les deux tiers sud du pays. Le temps restera agréable sur le bassin aquitain et sur la Corse. Les températures ce matin, 11 à Lille, 14 à Paris, 21 à Marseille et à Lyon. Cet après-midi, 19 sur la pointe du Cotentin, on aura 22 du côté de la côte normande, 23 si vous êtes en Bretagne, 24 près des frontières du Nord, 26 sur les Ardennes mais également sur le bassin aquitain, 27 en région parisienne. On aura 29 aujourd'hui sur la Haute-Garonne et la promenade des Anglais, 30 du côté de l'Alsace, 31 à Marseille et sur le massif central, 33 en Bourgogne, 34 dans la Loire et 36 en Vallée du Rhône. La pollution, c'est pas terrible, hein. Les indices entre 3 et 6. 1500 euros à gagner, il y a 3 gagnants hier, on a fait 3 gagnants dans la matinée, dans le morning, oui. Hier matin. Bravo à Vicky de Charleville-Mézières, à Nicolas de Laval, à Rosa de Juvisy et 1500 euros. Donc le premier rendez-vous après les infos sur Skyrock. Le changement aura été de courte durée. Le classement des prénoms les plus donnés qui avait vu Gabriel être détrôné par Léo chez les garçons en 2021 est un peu moins surprenant cette année. Gabriel retrouve sa première position, talonné par Léo et Raphaël qui complètent le podium. Derrière, on retrouve des prénoms un peu plus classiques, habitués du top 10 comme Louis qui dépasse de peu Arthur, et puis les parents de petites filles ont de nouveau été nombreux à choisir Jade, qui arrivait déjà en tête l'an passé. Le top 3 est d'ailleurs toujours le même. Louise, deuxième, et Emma à la troisième position. On prend les mêmes et on recommence. La RATP et la SNCF seront touchés par des appels à la grève vendredi, jour de finale du top 14 entre Montpellier et Castres au Stade de France. Cela rappelle évidemment les perturbations lors de la finale de la Champions League avec le chaos que l'on connaît que ça a entraîné. Quasiment toutes les lignes seront concernées. Les syndicats se plaignent des changements incessants de planning. Ils réclament aussi des hausses de salaire. Plus de peur que de mal hier en Gironde, mais des dégâts assez importants par endroits. La grêle s'est abattue sur le département. Peu de communes ont été épargnées. Les grêlons étaient par endroits aussi gros que des balles de golf. Les pompiers sont intervenus à 200 reprises. De très puissantes voitures, des scooters, des motocross, une sorte de buggy à qui fait des drifts là en plein milieu de l'autoroute A43. Oui. C'est ce que l'on peut voir sur les images partagées sur les réseaux sociaux, filmées par le leader des Dalton. Au milieu de cette mise en scène, la crime et Mani GT au volant d'une énorme Lamborghini orange et d'une Ferrari rouge. Le cortège a tourné un clip de rap et s'était lancé du 8e arrondissement de Lyon pour s'immobiliser sur la 43. Tournage sauvage qui n'a duré que quelques minutes mais qui reste illégal. Les protagonistes risquent jusqu'à 2 ans de prison. Personne n'a pour le moment été interpellé. Et on va parler de sport maintenant. Ça ne serait plus qu'une affaire de jours, peut-être même d'heures. Selon l'équipe, et Nice ce matin, les Aiglons et les Parisiens se sont entendus pour le montant de l'indemnité à verser pour voir Christophe Galtier
rejoindre la capitale. Le PSG mettrait 10 millions d'euros sur la table afin d'attirer le technicien. C'est ce que demande Nice. Hein, donc pas de souci, l'officialisation ne serait plus suspendue qu'à la seule fin du bail de Pochettino. C'est pour ça que pour le moment, Paris ne confirme pas. Mais bon, c'est comme si c'était fait. Voilà, donc Christophe Galtier, il est marseillais, Christophe Galtier. Hein. Ancien entraîneur de Saint-Etienne, ancien entraîneur de Nice, là, cette année. Et de Lille aussi. Et de Lille, oui, il avait été champion avec Lille. Christophe Galtier, est-ce qu'il est marseillais? Mais oui, il est né en 1966. Un pur produit du Sud. Et à Marseille. Alors, allez, Paris. Paris, c'est Germain. Bonjour, c'est Christophe Galtier. Je suis marseillais, j'entraîne Paris. Ouais, comme quoi, tout est possible. Il a toujours défendu le PSG. Christophe Galtier. Galtier a toujours défendu le PSG, tu vois. À chaque fois qu'il y en a qui chiaient dessus, c'était le seul entraîneur. Il a souvent mal parlé aussi. Une autre équipe qui en parlant bien. Mais de toute façon, on voulait un Marseillais, on en a un. Voilà, vous vouliez Zizou, et ben voilà, alors, vous avez Christophe Galtier. C'est Zizou de Wish. Ah ouais, t'as allé, c'est Mourinho de Wish. Pas cher. C'est Mourinho, mais c'est vrai, il se prend pas Mourinho avec les costumes et tout. Bon, on est en direct sur Skyrock, on est content d'être avec vous, on est content de vous offrir plein d'argent aussi. Vendredi, 13 000 euros à gagner dans le morning. Et oui, n'oubliez pas, on remet un chèque en jeu après Shaima qui a gagné du côté de Bordeaux à Saint-André-de-Cubzac. Ça sera peut-être pour vous les 13 000 euros. Oui. Et avant ça, donc il faut envoyer 13 au 7-20-20. D'ailleurs, on aura vos téléphones à vous filer. 13 au 7-20-20 pour gagner vos iPhone 13 tous les jours. Il y en a un ce matin qui va tomber dans le morning, donc envoyez vite 13 et puis vous serez inscrit pour vendredi. Vendredi, tirage au sort. Vous écoutez le morning, on vous appelle, vous répondez et vous gagnez 13 000 euros. Oui. Bon, on aura 1 500 euros, j'allais vous le dire, mais 1 500 euros dans un instant. Et puis, on va parler donc des gens qui ont essayé de briser votre histoire d'amour, qui étaient jaloux de votre histoire d'amour. Et déjà des témoignages qui arrivent. On a Blue qui nous dit moi c'est maman perroquet. Ah oui, t'as un perroquet Blue, c'est vrai. À chaque fois que je ramène une meuf à la maison, il est jaloux et il veut les becter. Ouais. Ton perroquet attaque ton attaque ta nouvelle meuf. Ah, parce qu'il est jaloux sans doute. Mais il veut les becter becter ou becter d'une non, autre becter, façon. Non, becter, les manger. Un perroquet, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse un perroquet? Je sais pas, on sait jamais. Est-ce que t'as j'allais poser une question à Guigui mais ça va pas marcher. Ah, vas-y, j'allais te demander Guigui, est-ce que sa folle ta chatte? Oui. Elle est jalouse de tes meufs. Excuse-moi Guigui. Elle est pas trop jalouse. J'ai spoilé la story. T'as tout dit, voilà, je suis cramé. Elle est jalouse quand t'as des copines qui viennent à la maison, mais il y en a pas. Grillé. Il y en a pas, non? Il y en a pas, donc forcément elle est pas trop jalouse. Mais quand tu ramènes quelqu'un à la maison. De toute façon, quand je ramène un pote à la maison ou quoi, en général elle va se cacher. Elle a peur. En fait, elle regarde à la porte, elle voit, ok, est-ce que je connais pas. Si elle je connais file, pas, bim, elle file se cacher. D'accord. Une fois j'ai cru qu'elle était raciste, ça fout. Oui, c'est vrai, tu nous as raconté cette histoire. J'avais cru ça parce que j'avais pas trop tes potes Renoir. Ouais, parce que j'avais deux potes Renoir qui viennent chez moi et c'est la première fois de sa vie qu'elle voyait des Renoir. Et du coup, elle a comme ça. Elle a fait des gros yeux comme ça. Elle a fait miou. Elle est partie comme ça direct. Et ça va mieux maintenant? Maintenant ça va beaucoup mieux. Elle a appris à les connaître et tout. Et est très contente. Mais tu sais que l'autre jour, moi je parle avec un voisin, pas d'immeuble, mais un voisin du bâtiment d'à côté. Et tu sais, il croit, j'avais Medellin et son chien joue avec Medellin. Il me dit, putain, moi j'aime mortel si on parle du chien. Et je lui dis, ah, il est bien ton chien tout. Il est cool. Il me dit, ouais, mais putain, mais le problème, je te jure, c'est qu'à chaque fois qu'il voit un Renoir, il aboie, il veut l'attaquer. Ah ouais, c'est vrai, c'est un truc de ouf. Il y a des chiens, c'est avec les keufs par exemple. Aussi. Ouais. Oui, les costumes. C'est avec tous les costumes. Qui aiment pas les uniformes. Aussi, ouais. Eh bien, faut apprendre la diversité aux animaux. Ah ouais, très bien. Le mec, il m'a dit, tu sais, ça me met mal à chaque fois, tu sais, je le tire. Bon, eh bien, vous êtes avec nous, vous pouvez tous débarquer ici, quoi que vous fassiez, quel que soit votre animal, quelle que soit votre origine, quel que soit votre amour également. Vous pouvez nous laisser vos messages, et je voulais d'ailleurs saluer Victor, qui lui a eu des problèmes par rapport à sa frère, tu nous dis. Alors, ton frère ou ta sœur, je sais pas ce que t'as voulu mettre, Victor, qui était jaloux parce que toi, tu préfères les garçons, et donc il était jaloux de tous mes mecs. Donc, c'est ton frère, donc. Ton frère était jaloux de tous tes mecs. Vous avez vos témoignages, vous n'hésitez pas, vous avez la parole et vous la prenez. 06 86 101 101. Les gens qui acceptent pas vos histoires d'amour et qui ont essayé de foutre le bordel, on en parle ce matin. Et j'aurai une belle histoire romantique aussi dans un instant. Mais avant ça, allez, on y va. Il y a 1500 euros à gagner. Premier rendez-vous pour les 1500 euros, vous répondez Skyrock et vous gagnez 1500 balles. C'est le jeu des 1500 euros sur Skyrock. Je vous le disais il y a un instant, c'est tombé trois fois hier matin. Ben, j'espère que ça va tomber plein de fois encore ce matin, qu'on fera plein d'heureux. On va aller faire un tour à Agen dans le 47. Et on a tiré la famille Régnier. C'est Johan Régnier qu'on a tiré au sort. 1500 euros à gagner. Il faut répondre avant la cinquième sonnerie. Et il faut surtout répondre Skyrock. Allô, allô. Oui. Bonjour Madame Régnier. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Ça va. C'est l'été, vous avez vu, c'est l'été, fête de la musique. Et nous, on est en direct à la radio, Madame Régnier. Oui. On vous a tiré au sort, c'est pour vous offrir 1500 euros.
Hola. C'est un jeu qu'on fait, hola, comme on dit en Espagne, oui. C'est un jeu qu'on fait tous les matins, toutes les demi-heures. On prend des numéros au hasard, on a pris le vôtre, on appelle, on pose une question, et si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 1500 balles. Ouais, c'est là. Je vais vous demander, c'est comment votre prénom? Brigitte. Brigitte, c'est joli, c'est Brigitte. Salut Brigitte. Salut Brigitte. Merci. Brigitte, il faut me dire quelle est ta radio préférée. Et si t'as la bonne Brigitte, tu gagnes 1500 euros. Bonne radio. Brigitte? Et non Brigitte. Aïe aïe aïe. Brigitte, c'était Skyrock au téléphone. Tu vois? Ah bah voilà. Eh ben voilà. Ah bah on a merdé ce matin Brigitte. Eh ben oui, on est passé à côté de 1500 euros. Désolé Brigitte, et oui c'est Skyrock, viens nous écouter. T'écoutes jamais Skyrock Brigitte? Ah ben non, le matin, non, après je vais travailler, donc non. Bah, tu as le droit de nous écouter en allant travailler, en te réveillant, Brigitte. Oui, c'est sûr, oui. Allez, viens nous voir, tu réponds Sky la prochaine fois, on te rappelle, tu réponds Sky, tu gagnes 1500 euros. On te souhaite une belle journée, un bel été, une bonne fête de la musique. Bisous, Brigitte. Merci. Salut, bonne journée. Salut, Brigitte. Oui, je suis désolé pour Brigitte qui ne gagnera pas les 1500 euros. Le chèque, on va le garder, le prochain rendez-vous, eh bien, c'est pour vous dans moins d'une demi-heure. Et dans un instant, un autre rendez-vous, les doubles appels, et oui, ils arrivent tous les matins sur Skyrock, et le premier du morning, c'est dans un instant. Allez. Seulement sur Skyrock. Et tous les matins dès 6h, 9h, c'est ton morning. C'est le morning de Default sur Skyrock. Down sur Skyrock, c'était Rema à 7h moins 12. À 2 minutes de notre double appel. Le double appel arrive dans un instant. Et on a Aliona. Et oui, on parle des gens qui ont essayé de briser vos histoires d'amour ce matin. Et on a donc Aliona de Rouen. Salut la Normandie. Salut Aliona. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. 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 Bienvenue sur Skyrock. Tu es déjà en train de taffer. Tu fais quoi comme taf, Aliona? Je travaille chez Renault. Très bien, on salue tous ceux qui construisent des voitures. Tu construis des voitures électriques? Oui, c'est ça, une Mégane. Super, la Mégane, très bien. Et donc, Aliona, toi, tu voulais nous dire, donc, puisqu'on parle des gens qui ont essayé de briser vos histoires d'amour, ou des gens jaloux de vos histoires d'amour. Qui est-ce qui est jaloux de ton histoire d'amour ou de tes histoires d'amour, Aliona, toi? C'était mon chat, qui avait une tendance à attaquer les pieds. Bah, des garçons que je pouvais rencontrer, et voilà. Donc, quand tu ramenais un mec à la maison, il y avait ton chat qui attendait, et il voyait arriver le mec, il était là, on l'aime pas, lui. C'est ça, sur le canapé, ou sur le lit. J'avoue, il avait une tendance comme ça. Les amis, ça allait. Ouais, mais tes mecs, non. Non, bah, je sais pas pourquoi. Bah, parce que les animaux, ils ressemblent des trucs, des fois, c'est un truc de ouf. Ils sont possessifs. Bah ouais. Donc, ils foutaient quoi? Ils foutaient des coups de griffe ou ils mordillaient? C'est ça, ils sautaient dessus. Et bah, tu vois, Guigui, t'es content d'être célibataire? Ouais, effectivement, après, mon chat, il me le fait quand même alors que je suis célibataire. Ah, d'accord, il te. Ouais, de temps en temps, quand, genre, imaginons que. Sur les pieds de tes mecs? Ouais, c'est ça, c'est une idée, quoi. Non, ça peut arriver, genre. Ouais, mais tu vois, de toute façon, les chats griffeurs, je crois que c'est pour tous les chats, en fait. Hein. Ah, bah ça, ouais. Et genre, dès que tu veux pas jouer avec lui, bah, mon chat, il s'énerve et il vient, il te saute dessus. Mais lui, il sort les griffes, pour le coup. Ok, donc ton chat est toujours jaloux, donc, de tes mecs. Et bah, bon courage au prochain, alors. Hein. Je sais pas s'il y en a un à la maison qui arrive à rentrer, là, actuellement, non, mais... Il n'y a plus de chat. Ah, d'accord. Ah, la virée, ça y est. T'as choisi ton mec. Voilà, il est content. Eh bien, tu fais un gros bisou à ton chéri. Et puis, bon courage au boulot. Salut tous ceux qui bossent et qui nous écoutent déjà ce matin. Bisous, Aliona. On te met dans le tirage au sort pour Astérix. Ça marche, très bien, merci. Salut à toi. Salut, et je t'envoie le t-shirt du morning aussi. Le t-shirt du morning quand on va à la maison. Et pour toi. Ça marche, merci. Salut, Aliona. Ciao. Et ouais, les gens jaloux. Alors, des gens jaloux, il y a également des psychopathes. Alors, attention, une psychopathe, c'est la sœur de. C'est la sœur de Bruno, ouais. La sœur de Bruno qui nous envoyait. Non, j'ai Jay, moi, qui a envoyé un message. Ah non, je crois que tu me parlais de l'invité mystère. Ah. La folle dingue de l'invité mystère. Alors, écoutez bien ce qui s'est passé. Jay nous a laissé un message. Écoutez bien l'histoire. On m'a dit c'est une histoire hallucinante. Salut l'équipe, c'est Jay du 45. Alors, moi, je vous explique. Et vas-y, explique. Ma meuf, enfin mon ex maintenant, était jalouse de son petit frère de 13 ans. À chaque fois que j'allais jouer à la console ou que j'allais faire un truc avec son frère, elle me sortait, va le baiser, cela, c'était incroyable. Donc, au final, je l'ai quitté. Mais tu as bien fait, je pense. Vraiment, ah ouais, t'étais sorti avec une psychopathe jalouse de son frère, à elle, donc. Oui, son frère à elle. Ah, c'est bien ça l'histoire. Ah, c'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Elle disait des trucs de ouf, quoi. Oui, elle disait des trucs, elle devait être un petit peu déstabilisée psychologiquement. C'est des choses qui arrivent, des gens déstabilisés psychologiquement. Ou psychiatriquement. Psychiatriquement aussi, c'est possible. Heureusement qu'elle avait pas une petite sœur. 06, alors encore plus que psychoté, ouais. 06 86 101 101, vous laissez au WhatsApp. Et donc, Jay, merci de ton témoignage dur ce matin. On te met dans le tirage au sort pour Astérix et on va retrouver nos double appels. Double appel à 6h51. La France est sur écoute. Ouais, t'entends là, des chevaux? Oh, mais on est où là? Ils comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Oh, t'as dit des chevaux? Si. Des chevaux. C'est le double appel de Default sur Skyrock. Eh oui, dans le double appel sur Skyrock, il y a également
des chevaux. Oh. Et ouais, il y a des chevaux. Il y a Patrick et il y a surtout nos familles, les familles qu'on met en contact les unes avec les autres. C'est donc parti pour notre double appel ce matin. On va aller faire un tour en France. Allons-y. On est parti. Mise en contact tout de suite. On a testé les familles juste avant, bien sûr, pour savoir s'il y avait du monde. Et là, on les connecte les unes avec les autres. Alors. Allô ? Oui ? C'est qui ? Allô ? Qui est à l'appareil ? Allô ? Vous voulez qui ? Écoutez, moi, on appelle. Vous appelez qui ? Je n'appelle personne, c'est vous qui me téléphonez. Ah non, du tout, non. Bon, au revoir, merci. Attends. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, madame, mais il faudra arrêter de nous appeler, madame. Hein. Bah, c'est pas moi qui appelle. Ah bah si, vous arrêtez pas d'appeler, là. On a entendu juste avant, vous êtes avec un monsieur qui a rien demandé. Bah moi non plus, j'ai rien demandé. Bah oui, bah si vous êtes malade, faut prendre des cachets, madame. Bah ouais. Voilà. Elle va prendre des cachets. Allô ? Elle va se perdre. Ouais, tu te ma gueule ou quoi ? Ouais, oh, tu te calmes. T'as vu l'heure ? Elle va te faire en plus, pas de patard. Alors, on rappelle celui-ci, rappelle-en d'autres aussi. Ouais, ta mère la pute. Ah, c'est lui. Oh. Ah, il est reparti. Vas-y, refais-le peut-être une dernière fois pour. Oui. Il est pas là le monsieur ? C'est qui ? Patrick. Mais je te connais pas. C'est Cédric. Je connais pas. Oui, allô ? Allô ? Bonjour. Allô ? Vous avez un souci, il y a plusieurs communications en même temps là. Ah, d'accord, ok, bah écoutez, moi on me demande de passer mon mari. T'es avec ton copain là ? Voilà. Et putain, et sans déconner, je vais jouer que ta salle là celui-là. Oui, allô, bonjour. Allô ? C'est vous qui m'appelez, vous me dites qu'on vous appelle, donc il y a quand même un léger problème. Oui. Bah, et qu'est-ce que tu veux, tête de fion ? Comment ? T'es vraiment une burle, toi. Et quand tu fais un numéro, regarde bien, c'est du téléphone. Hein. Pardon ? Il arrive, là. Ah ben, viens chez moi, allez, arrive. Et qui est-ce qui a l'appareil, là ? Pardon ? Allez, burle. Oui ? C'est encore un PD que j'ai à l'appareil. Hein. Oui, monsieur ? Pardon ? Oui, vous appelez pourquoi, monsieur ? Va te faire foutre, connard. Ah, d'accord. Allô ? Allô ? Ah, faut peut-être appeler l'hôpital psychiatrique, là, non ? Oui. Ferme ta gueule. Oui. Ouais, non, mais t'as vu la Vierge, là, mon petit gars ? La Vierge. Non, pas spécialement. Non, mais attends, là, t'as un grave problème, mec, hein ? Franchement. Oh, je ne pense pas, non. T'es de petit branleur, là. Oui, bien sûr, ouais. Ferme ta gueule. Eh ben, ok. Voilà, oula, une femme de caractère, comme on les aime, Skyrock. Et les doubles appels sont de retour tout à l'heure, avant 9h, le prochain rendez-vous du double appel, il est dans le morning. On aura aussi Romano qui débarquera pour nos conseils pas chers juste après 7h30, puis notre horoscope de l'amour et une histoire romantique que je voulais vous raconter. On en reparle tout de suite sur Sky dans le morning. 6h-9h, le morning de Difool. Coucou, vous êtes sur Skyrock. Doudou, c'était le son de Koba qu'on baladait et Naps sur Sky. Ah, une histoire romantique que je vous avais promis. Écoutez bien, quel est le truc le plus romantique que vous avez fait dans votre vie ? Pouvez nous dire le truc le plus romantique qu'on vous a fait dans votre vie aussi. Ouais. Dites-nous, on en reparlera ce matin. Et je voulais vous faire écouter ça parce que ça a fait un gros buzz en Italie. Il y a la vidéo d'ailleurs qu'on va vous mettre sur les réseaux Skyrock, l'Insta du Morning par exemple. C'est un homme qui fait sa demande en mariage et c'est très très romantique puisqu'il fait sa demande en mariage au micro d'un supermarché. Il y a des micros dans les supermarchés. Il prend le micro, il y a sa femme qui fait les courses avec son caddie. Et voilà ce qu'il dit. Écoutez-le, puis dites-nous ce que vous en pensez aussi, vous pouvez nous dire. Amore mio, mon amour. Je voulais te demander une chose. Oui, aux yeux de tous. Je t'aime. Non. Et c'est la mia vita. Et tu es la mia vita. Est-ce que tu voudrais m'épouser ? Là, t'en as un qui applaudit. Ah oui, c'est un con dans le magasin. Et le tout au Carrefour. Oh putain, la honte. Tristesse. Tristesse ou romantisme absolu ? À vous de nous dire. Ah, je suis quand même à partager. Gênant. Plutôt côté tristesse, moi, du coup. Toi, le mec, il te ferait Guigui, amore mio. Et voglio te chiedere quelque chose d'autre. Ah non, mais attends, mais ouais, au supermarché, c'est un peu la honte quand même. Il y a des endroits un peu plus chauds. Ouais. Stylé, qui c'est qui a dit que c'est stylé ? Ce qui est romantique, c'est pas le lieu. C'est le moment et la personne à qui tu demandes. Bravo. Sam. Ah, Cariole, tu trouves ça super romantique ? Non, c'est pas de ouf dans le supermarché, mais à la demande, déjà, c'est joli. La meuf, elle a failli s'effondrer dans son caddie. Ah ouais ? Oui. Et après, on voit le couple en train de se faire un gros bisou au rayon des surgelés. La vidéo a fait le buzz.
On vous la met, on vous la met sur les réseaux Skyrock, sur l'Insta du Morning. Vous allez pouvoir la voir dans 5 minutes là. J'ai pensé qu'un geste pareil, elle ne l'oublierait jamais jusqu'à la fin. Ah bah là c'est certain là. Non mais il a raison. Là, hein. Ouais. Et le mariage sera prévu pour le mois de décembre. Ah, elle a accepté. Ouais. En Sicile ils vont se marier. Amore mio. Moi c'est la voix du mec qui me fait mourir de rire. C'est... Amore mio. Tu vois, je voulais te demander Una cosa. Voyons sposarmi. Voilà. Le mec a une voix de romantique en plus. Bon, dites-nous si vous avez fait des trucs super romantiques dans votre vie, les trucs les plus romantiques qu'on vous a fait. Vous nous laissez vos messages 06 86 101 101. Et puis sur la piste Skyrock, les 49. Ah, t'as jamais eu ça, toi? Ah, rien de romantique. Ah, bon, les mio. Oh. Allez, on va retrouver notre horoscope. Il est 7h. Allez, vite, l'horoscope de l'amour, on est pas d'avance. Tu veux savoir comment va se passer ta journée? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Allez, l'horoscope de l'amour, les douze signes, les puissances amoureuses. Pour ce mardi 27 juin, on va démarrer par le 0 sur 5 du jour. C'est pour les Verseaux et les Sagittaires. Ah ben voilà. Ne vous sacrifiez pas trop pour vos amis ou pour votre chérie aujourd'hui. C'est une journée pour penser à vous. Et c'est comme ça que vous passerez la meilleure journée, le meilleur mardi. C'est noté. Les Lions et les Taureaux, vous avez 1 sur 5. Si quelqu'un doute de votre sincérité, vous saurez lui prouver qu'il ou qu'elle a tort. Les Balances et les Gémeaux, vous avez 2 sur 5. Vous serez en mode détente et vous repousserez même toutes les corvées aujourd'hui. Attention quand même à ne pas vous mettre trop en retard, mais sinon vous allez penser à vous et vous allez passer une belle journée, un beau mardi. Les Béliers, les Capricornes, vous êtes à 3 sur 5, vous irez de l'avant ce premier jour de l'été, de l'avant dans vos histoires d'amour et d'amitié. Les Scorpions et les Cancers, vous êtes à 4, une très belle journée qui vous attend. Si vous êtes célibataire, vos chances de faire une rencontre sont bien réelles, et si vous êtes en couple, l'amour de votre partenaire vous donnera de la force. Et pour finir, les meilleurs du jour, les Poissons et les Vierges. Vous êtes Poissons, vous êtes Vierge, une excellente nouvelle qui vous fera plaisir, vous avez 5 sur 5. Tout va vous réussir en ce mardi, en amour, mais pas seulement. Bah, profitez bien, les infos de Rémi dans une minute. Tous les matins, c'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. J'écoute le morning de Default dans toute la France. C'est là qu'il pense, c'est là qu'il pense. Ils sont premiers sur son réveil. Ouais. Ils sont prêts à tout. Pour te réveiller en direct sur Skyrock jusqu'à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. 6h-9h tous les matins. Et c'est l'été, mais oui, on est le 21 juin aujourd'hui, le jour le plus long de l'année, le jour de la fête de la musique. C'est l'été et donc on va en profiter. On va en reparler d'ailleurs de la fête de la musique ce matin. Ouais. Vous avez des témoignages, vous n'hésitez pas à vous nous envoyer vos messages, vos WhatsApp audio 06 86 101 101. Dans un instant, on va découvrir le grand référendum du morning tous les matins. On vous demande votre avis sur un truc. C'est l'été, c'est la journée mondiale de la lenteur. On en reparle tout de suite, mais d'abord les infos de Rémi. Préparez-vous, il y a aussi les 1 500 € qui vont tomber. 1 500 balles peut-être pour vous, mais d'abord nos infos, notre actu. Et la météo, alors nous il pleut. Ce matin, enfin, il pleuviote. Ouais. Quelques petites gougouttes du côté de la région parisienne, en tout cas dans le 92. Quel temps pour ce premier jour de l'été, Rémi? Pas mal d'orages en Bourgogne et en Champagne-Ardenne. L'épisode caniculaire s'atténue sur le centre-est. Des orages assez violents attendus de l'Auvergne au Jura. 10 départements en vigilance orange, 10 autres qui le sont toujours à cause de la canicule. Le soleil va revenir au nord de la Seine, mais également en Bretagne. En revanche, les orages vont se réactiver dans l'après-midi sur les deux tiers sud du pays. Le temps va rester à grêpe sur le bassin aquitain et la Corse. Les températures ce matin, nous avons 11 à Lille, 14 à Paris, 21 à Marseille et à Lyon. Cet après-midi, il fera 19 sur la pointe du Cotentin. On aura 22 sur la côte normande, 23 en Bretagne, 24 près des frontières du Nord, 26 sur les Ardennes, 27 en région parisienne. On aura 28 aujourd'hui si vous êtes du côté de Bourges, 29 sur la Haute-Garonne, 30 pour l'Alsace, 31 à Marseille et sur le Massif central, 33 sur la Bourgogne, 34 dans la Loire, 35 à Valence et à Grenoble, 36 à Lyon. La pollution, c'est plutôt moyen, même très moyen, puisque les indices sont compris entre 3 et 6. Et toute l'actu, on fait le point maintenant sur Skyrock à 7h05. Ouais, plus de peur que de mal hier en Gironde. Les dégâts sont quand même assez importants par endroits. La grêle s'est abattue sur le département. Peu de communes ont été épargnées. Les grêlons étaient par endroits aussi gros que des balles de golf. Les pompiers sont intervenus à 200 reprises. La mort d'un plaisancier dans les Landes. Son bateau a été retourné par la houle à 150 mètres de la côte. L'un des deux passagers a réussi à se dégager et a été pris en charge par les sauveteurs. La victime, en revanche, n'a pas pu être
réanimer, par les secours. Le jeu d'équilibriste d'Emmanuel Macron, le conseil des ministres prévu aujourd'hui est annulé. Il y a plusieurs gens à gérer. À la place, le président va recevoir les représentants des forces politiques susceptibles de créer un groupe à l'Assemblée. C'est des réunions prévues entre aujourd'hui et demain. Dans ce contexte, on se demande à quoi va ressembler la NUPES au Palais Bourbon. Jean-Luc Mélenchon rêve d'un groupe uni. Pas question pour Europe Écologie Les Verts et les communistes. Ils estiment qu'ils seront plus forts avec plusieurs groupes. Même avis pour le Parti Socialiste qui considère que l'union n'est pas la fusion. La France Insoumise qui dégaine déjà une motion de censure sera déposée le 5 juillet. C'est le jour où Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale. C'est un moyen pour l'opposition de renverser la locataire de Matignon et son gouvernement. Il suffit d'être 58 députés pour l'enclencher, mais pour la faire tomber, c'est plus difficile. Il faudra une majorité, ce qui obligerait à une alliance avec le Rassemblement National. Et on fait le point sur le sport maintenant sur Sky. Ouais, et l'affaire est pliée après des semaines de discussions et de négociations. L'Olympique Lyonnais a trouvé son nouvel actionnaire majoritaire. Les Lyonnais ont officialisé la nouvelle et le club passe comme convenu sous pavillon américain. C'est John Textor qui a été choisi par le conseil d'administration d'OL Group pour devenir donc l'actionnaire majoritaire. Bon, Jean-Michel Aulas reste le PDG. Voilà, et Christophe Galtier arrive à Paris. Enfin, c'est pas sûr, c'est pas confirmé, mais il y a de grandes chances. Ouais, logiquement, c'est fait. Voilà, l'entraîneur de Nice, on en reparlera tout à l'heure. Fête de la musique aujourd'hui, vous nous laissez vos messages, vous me dites si vous avez des bons souvenirs de la fête de la musique. Et oui, c'est reparti, une fête de la musique presque sans Covid. Enfin, il y a plein de Covid, mais cette année, on peut la fêter, c'est cool. Ouais. C'est cool, ouais. Ouais, c'est cool. Fête de la musique, c'est bien, mais moi, c'est un problème avec le voisin de ma mère. Chez lui, c'est la fête de la musique tous les jours. Bonjour, Hello. Salut, Hello, qui nous envoie un message. Vous pouvez nous laisser vos messages 06 86 101 101. Vous avez l'appli Skyrock et le 41 759. On parle des trucs super romantiques aussi que vous avez fait dans votre vie. On a écouté la demande en mariage d'un Italien dans un supermarché. Il a pris le micro du supermarché et il a dit Amore mio, ma chérie. Davanti a tutti. Voilà. Ti amo. Ti amo, davanti a tutti. Lo dico, ti amo. Amore mio. Ah, c'est magnifique. Il y a la vidéo que vous pouvez aller. Ouais, c'est bon allié, ouais. Donc on parlera des trucs romantiques. Et puis je vous le disais, c'est le jour de l'été, c'est le jour de la fête de la musique. Mais c'est également la journée mondiale de la lenteur. Ils ont inventé ça, les gens. C'est pour toi, Rémi. Rémi, oui, c'est vrai, c'est pour toi, c'est la journée mondiale de la lenteur. Je suis pas lent. Non, mais t'es posé, light, t'es light, oui. Ah ouais, je suis posé, mais t'es lent aux toilettes, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comme c'est le jour le plus long de l'année, il faut prendre son temps, voilà, selon les créateurs de cette journée, c'est ce qu'ils ont dit. Et on voulait vous demander les trucs qui sont lents et qui vous agacent. Donc les trucs, ça peut être, je sais pas, un ordi, par exemple. Ah ouais, ça. Qu'est-ce qui est lent et qui vous agace? Ça, c'est relou, ça. Ah, je sais pas, vous connaissez quelqu'un de lent dans votre entourage et qui vous agace? Vous avez des gens mous? Les papi-mamies au supermarché. Ah, toi, c'est les papi-mamies au supermarché qui t'agacent. À la caisse, ouais. Bah ouais, mais quand tu seras vieux, tu seras peut-être lent. Exactement. Toi aussi. Regarde, Rémi, il est pas vieux, il est déjà lent. Non, je suis pas lent. Ah ouais, ouais. Bon, des trucs qui vous agacent et qui sont lents, vous nous laissez vos messages, c'est le grand référendum du morning. On en reparle avec vous, les messages, avec le hashtag Morning de Difool, par exemple, sur Twitter ou au 41759 ou sur le skyrock.fm ou les WhatsApp, vous nous envoyez tout ça et vous gagnerez peut-être Astérix tout à l'heure puisqu'on vous offre vos séjours à Astérix, vos week-ends à Astérix pour toute la famille ou pour vous et des potos. Vous partez à 4, hein, vous avez le parc pour vous et en plus, vous en avez de la chance, vous avez l'hôtel, tout frais payé, tout ça. Trop cool. C'est la totale. Allez, journée mondiale de la lenteur, fête de la musique et bah tiens, puisqu'on parle de musique, on a du gros son à écouter ce matin. On a CK qui arrive dans un instant. Ouais. Et puis le trio de choc, Alonso, Nino et Naps. Ouais. Nino qui nous fera notre réveil de star. Et puis vos 1 500 euros à écouter, à gagner maintenant tout de suite. 1 500 euros, c'est parti à 7h09. Tu veux gagner de l'oseille dès le réveil? C'est les 1 500 euros sur Skyrock. 1 500 euros, c'est parti à 7h09. Ouais. On a tiré quelqu'un au sort. Hier, on a eu 3 gagnants. Qui sera le premier ou la première à gagner ce matin? Et bien, peut-être quelqu'un qui habite du côté du Cher, dans le Cher même. À Asnières-les-Bourges. Il est à côté de Bourges. À Asnières-les-Bourges, on a tiré Sandra Lopez. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Sandra. Oui. Oui, bonjour Sandra, comment ça va? Alors, c'est la radio, Sandra. On est en direct à la radio. Salut, Sandra. On t'a tiré au sort et on t'appelle pour t'offrir 1 500 euros, Sandra. Des sous. Il y a 1 500 euros à gagner. On offre 1 500 euros tous les matins, toutes les demi-heures. Et c'est pour toi, Sandra, maintenant. C'est gentil. C'est gentil. Bah, il faut répondre à une question pour les gagner, Sandra. Non. Si, si. Oui, obligé. Je vais te demander quelle est ta radio préférée, Sandra. Si t'as la bonne, tu gagnes 1 500 euros. Raphaël. Alors, tu peux demander à ton... attends, je sais pas si... À Raph. C'est ton mec, à Raph, en tout cas. Quelle est sa radio préférée à Raph? Il a la bonne, il gagne 1 500 euros. Allez, Sandra. Sandra.
il a dit. Ah non, dommage. J'ai dû demander, il a dit quoi, Raphaël? A priori, pas grand chose. Et bien, il a dit raccroche. Et bien, désolé, j'ai cru qu'elle avait gagné son prénom. C'est dommage. Tu réponds, tu dis bonjour, tu réfléchis, tu demandes l'avis à quelqu'un, et au final, tu raccroches. Ah, désolé pour Sandra. C'est con un peu, ouais. Et oui, erreur, Sandra. Le prochain rendez-vous dans une demi-heure. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Vous répondez Skyrock le morning et vous gagnez 1500 euros. Prochain rendez-vous donc dans une demi-heure après les infos de 7h30, les 7h11 sur Skyrock. Emiliana sur Skyrock, c'était le son de CK dans un instant. Alonso, Nino, Nap sur Skyrock. On écoute Tout va bien, on est premier sur le rap et premier sur le romantisme également. On reviendra aux trucs qui vous énervent et qui sont les trucs lents qui vous énervent. Il y a un paquet de messages. Il y a un paquet de trucs en tout cas qui sont lents et qui vous énervent. C'est parfois des collègues de travail à vous. Mais on en reparlera tout à l'heure. Vous laissez vos messages 06 86 101 101. Et revenons au romantisme parce qu'on n'a pas fait de tour d'équipe. Les trucs les plus romantiques que vous avez fait durant votre vie. Oula. Merci pour les messages. Foula a dit Guigui. Ouais, j'ai dit foulala. Pourquoi foulala? Je crois que le meilleur truc, c'était. Toi, tu devais être très romantique, mais genre un peu canard, coin-coin. Ah, non, même pas, parce que j'ai pas trop dépensé, parce que du coup, à l'époque. Non, mais romantique, c'est pas dépenser, Guigui. Voilà quelqu'un qui comprend rien au romantisme. Romantique, c'est pas l'argent. Non, mais on parlait des cadeaux aussi. Bah non, regarde l'italien. L'italien, l'autre, il a pris un micro dans un supermarché. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Amore mio. Là, c'est le romantisme absolu. Oui. Non, moi, le truc le plus romantique, je crois, j'avais offert un pins du PSG. Ah là, c'est ça. Voilà. Ah, pour de vrai, en plus, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Cariole, voilà. Des trucs romantiques qu'on t'a fait? Ouais, un mec, il est venu me rejoindre en vacances alors qu'il n'avait pas d'hôtel ni rien. Il a fugué de chez ses parents. Tu parles de Romano? Non. Non, non, ah, c'était avant. Non. Un autre. Il a fugué pour te rejoindre. Ça, c'est romantique. Ouais, il a fugué pour me rejoindre et puis il a pris le train, il est revenu à pied et ses parents ont appelé les miens pour savoir s'il était bien là. Il était bien là, donc mes parents l'ont accueilli. Comme c'est romantique. Et on a passé quelques jours ensemble, il était content. C'est bien. Mais j'ai jamais voulu de lui. Ah, d'accord, c'est sympa. Le mec, il s'est cassé le cul pour rien. Ouais. Ah, rien du tout. Il y a Pierre qui est en ligne avec nous en direct du 13. Salut Pierrot. Oui, salut toute l'équipe. Salut à toi. Oh, tu as une voix de romantique, toi. Oh, oui. Tu as une voix de beau gosse, même. Qu'est-ce que t'as fait ou qu'est-ce qu'on t'a fait de très romantique à toi, Pierrot? Alors, c'est moi, c'était pas un Saint-Valentin. J'ai voulu avoir la maison pour moi tout seul, donc du coup, j'ai demandé à mes parents, mon frère et ma sœur de quitter la maison, en fait, le soir. D'accord. Donc, vous dégagez tous, ce soir. Allez, hop dehors. Je suis super romantique. Et du coup, ils ont été gentils, en fait, quand même. Donc, ils sont allés tous dormir à l'hôtel. Ah, c'est bien, ça. Ils sont sympas dans ta famille, toi. De ouf. Ouais, franchement. Et après, du coup, voilà, et j'ai fait un petit chemin de bétale de rose dans le jardin jusqu'à la maison. Ah, pour ta chérie? Ouais. Et après, un petit bain, et j'ai préparé le repas. Bon, le repas, il était cramé. Ah oui, t'as fait cramer le repas, c'était pas un super cuisinier, alors. Non, pas du tout. Pas du tout. Eh, c'est beau, ça, par contre, le pétale de rose, tout ça, c'est mignon. Ah ouais, c'est stylé, puis la maison et tout, bien. Ouais. Tu vois, t'es pas obligé de dépenser, Guigui, bon, faut que t'achètes des roses, si. Ouais. Mais pas obligé de dépenser. Si j'ai à ma famille de partir, ma mère, elle va me dire, mais mon doudou, va te faire foutre. Bah ouais, ça arrive. Ah, je vais me faire recal direct. Bon, merci, Pierrot le romantique. Vous avez vu, qu'est-ce qu'on est. Merci, bisous à vous. Eh ben, merci, on t'envoie le t-shirt Skyrock. Du morning et je te mets dans le tirage au sort pour la PS, non pas la PS5, pour le séjour à Astérix, ouais. Tout à l'heure. Ah, super. Eh ben, croisez les doigts. Eh ben, j'espère pour toi, 9h15 hein, pour le tirage au sort. Séjour à Astérix est gagné sur Skyrock toute la semaine, il y en a au moins un par jour et tout frais compris, tout frais payé, enfin c'est la folie. Ouais. Bisous Pierrot, on te salue et bisous aux 13 qui nous écoutent. Bisous toute l'équipe, restez comme vous êtes. Eh ben, toi aussi, salut Pierre. Et vive les romantiques, on en reparlera ce matin, on attend vos messages, vos WhatsApp audio 06 86 101 101. Et là, on n'attend plus, c'est Nino. C'est l'heure du réveil de star. Il parle avec une star. Ça va quoi? Mais ils le savent pas. Franchement, je dois pas le quitter. Hein. Tiens, c'est Nino. C'est le réveil de star. Nino de Toulouse. Seulement sur Skyrock. Eh oui, Nino de Skyrock. On va le retrouver en tournée d'ailleurs avec Skyrock en septembre et octobre prochain pour la suite de sa tournée. Et puis on le retrouve dans un instant. On va l'écouter avec Alonso et Naps pour Tout va bien. Mais tout de suite chez Laurent pour le réveil de star. Oui. Laurent et la famille de Laurent, on a pris le numéro de Laurent. Et donc Nino ce matin va nous parler drague et drogue. Drague, drogue et Nino sur Skyrock chez Laurent à 7h18. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Salut, c'est Nino. Non mais Oui, dis-moi. Ça va ou quoi? Bonjour, attends. Oui, quoi? C'est Nino. Toi mon bébé, à toi ma future femme. Ouais, toi ferme ta gueule. Ah merde. Vive le mariage. Hein. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Princesse. Quoi? Princesse. Non mais on dirait que c'est un robot genre qui répète. C'est du cannabis de ouf. C'est ma mère qui la fume, la drogue. Ah ouais, c'est génial. Non, c'est génial. Ah oui. C'est
C'est pour ça que mon père il a été trompé ma mère avec ta femme. Oh. T'as rien suivi. Ah ouais, carrément, j'étais pourquoi. Oh. Bah oui, non mais t'as rien suivi. Je suis marié à la rue, je suis marié à la musique. Et je crois bien que t'es un peu con quand même. On fait pas le coup du patron, gros. Bah, je veux pas que tu le prennes comme ça, mais je crois bien que t'es un peu con. Hein. Bla bla bla. Bah, t'as fumé, hein. C'est toi qui fumes. Dès que j'ai un petit temps, tac, je passe. Bah, je sais pas, t'as le numéro, t'as bien l'adresse, non? Ça peut arriver à tout moment. Viens avoir un petit coup à la maison. Mauvais, bandit, bandit, on pense qu'à voler, ouais. Mais putain, c'est même pas ça les paroles. Ah, je sais pas ça. Je sais pas. Bah, c'est du blanc, du rouge et du saucisson. Ah, putain. Viens avoir un petit coup à la maison. Y'a du blanc, y'a du rouge, du saucisson. En plus, y'a du blanc. Oui, en plus, y'a tout ça. Y'a tout bon, ça à la maison. Good vibes, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu connais, tu vis. Ouais, bah ouais, je t'attends. Eh bah super. Eh ben merci. Eh ben merci. La fille de l'eau, c'est beau. Viens boire un petit peu à la maison. Pom, pom, pom. Bon, on a un autre réveil de star dans moins d'une heure. On retrouve Nino sur Skyrock, il est 7h20. Ouais, tiens. Skyrock. Ok, c'est Naps, on se réveille en famille. Ouais, ouais. C'est Nino. C'est Alonso. Tout va bien sur Skyrock, c'était Nino avec Alonso et Naps sur le son d'Alonso. Et à 7h23, on va jouer ensemble, on va retrouver notre invité mystère et on va parler de la journée mondiale de la lenteur. Ouais. Les trucs lents qui vous énervent. On fera un point d'ailleurs juste après les infos de 7h30. Et oui, juste après les infos, puisque c'est notre grand référendum. Les trucs lents qui vous énervent, vos messages 06 86 101 101, votre appli, l'appli Skyrock pour nous envoyer tout ça. Et puis le 41 759 et le hashtag Morning de Default. Je n'accepte pas le racisme anti-vieux là. Je vois les messages qui arrivent. C'est pas que ça. Il y a ça. Qui a commencé tout à l'heure avec les vieux au supermarché. Là, j'ai plein de messages sur les vieux en voiture. Allez, quand vous serez vieux, hein, et qu'on vous critiquera sur Skyrock, qu'est-ce que vous direz? Bah rien. Voilà, très bien. Vous voulez témoigner, vous nous laissez vos messages, on en parle avec vous là tout à l'heure. Tu veux que je change? Tout à l'heure. Non, oui, t'as d'autres trucs qui t'énervent dans la lenteur. Bah, les gens sur les trottoirs, dans les escaliers, les escalators qui avancent pas. Où t'es bloqué derrière et tu sais, tu peux pas les dépasser. Ouais, c'est vrai, t'as envie de les balayer par derrière. Ouais, ou les pousser, ouais. Ouais, mais ça, il faut pas pousser. C'est sur un escalator, il va tomber, Théo. Ouais, fais gaffe, ouais. Ben oui, ouais, les balayer vrai. Non plus, faire attention tomber. Aussi. Bon, les trucs qui vous énervent, on en reparle tout de suite. Et on va parler console, qui a une petite histoire, ça s'est passé au Canada. Si vous avez déjà rencontré des stars, ben c'est ce qui est arrivé au Canada. Il y a un commerçant qui a vu rentrer dans sa boutique un grand sportif. Lewis Hamilton, l'idole de Rémi. Ah ouais. Lewis Hamilton qui est rentré dans son magasin pour acheter une Sega Mega Drive. Ouais, c'est vrai, il en a une, ouais. Ouais, parce que ça lui rappelait son enfance. Ouais, il joue à Ayrton Senna. Et après, il joue à Ayrton Senna. Ouais, il y a un jeu Ayrton Senna. Sega Mega Drive, c'est une vieille console. Ouais, mais tu sais que je l'ai encore. Tu l'as ta Mega Drive? Ouais. C'est quoi votre console vintage que vous avez encore? Moi, j'ai une Nintendo, les toutes premières chez moi. T'as une des premières. Ouais. Et tu l'utilises, tu joues avec? Alors là, plus trop, mais sinon, ouais, j'ai Tortue Ninja, le jeu où on tire les canards là. Ouais. Ah ouais. Le jeu où on tire les canards. Ouais. Quel, ouais. Puis j'ai un Mario aussi, un des tout premiers Mario. Enfin, voilà. Je l'avais acheté sur une foire à tout d'ailleurs. Pas Alex Kidd. Vive les foires à tout. Non. Vive les foires à tout. Bah oui, vive les foires à tout. Moi j'ai la PSP. Ah, la petite PSP, la portable. Ouais, l'ancienne, avec le petit disque à l'arrière là. C'était la PlayStation portable. C'est ouais, ça. C'est ça. Exactement. Non, c'est la Game Boy Color. Moi j'ai la première Game Boy, moi, pas la Color, mais la toute première. Ah bah on a toutes les consoles. Bah ouais. Ah c'est la première console. Moi c'est la Game Boy Advance. Game Boy Advance, Théo. Je cherche une Game Boy 1. Alors sur eBay j'en ai trouvé quelques-unes, mais j'en cherche une. Si vous en avez une, n'hésitez pas. Contrairement à Sam, vous pouvez aider Rémi, allez-y. Hein. Moi j'ai la Mega Drive 2 avec les jeux Aladdin, Sonic et le Roi Lion, on dit là. Tiens, votre vieille console, la vieille console que vous avez à la maison, les vieux jeux auxquels vous jouez, comme Lewis Hamilton. En tout cas c'est marrant, tu vois Lewis Hamilton rentrer dans ton magasin. La classe, tu fais des photos. Ouais, c'est clair. Et tu fais la une de tous les médias du monde entier. Et même de Skyrock ce matin. J'ai Atari, nous dit Youn. Je connais pas ça. Atari, tu connais pas? C'est la toute première console, c'est vieux. Ah, c'est la toute première des premières consoles. Ah ouais, c'est des jeux en mode un peu Pac-Man, quoi. C'est hyper vieux. Ah bah à ce moment-là, il y a la dictée magique aussi. Hein. C'est quoi dictée magique? C'est quoi ça? Bah c'était une espèce d'écran où tu tapais dessus. Oui, mais c'est pas une console, c'est un truc pour les gamins. Ouais, c'est un jeu. Ah ouais. La dictée magique. J'adorais. Waouh, moi je jouais à Harry Potter sur la PSP. Tiens, il y a Kéliane qui a sa PSP et la PS2. Bon, bah tiens, justement, on va parler console maintenant. On va parler console et arnaque. Faites très très attention. Vous pouvez vous faire arnaquer et c'est arrivé. Et après, en plus, vous faites humilier à la télé. C'est génial. Une console mystère à découvrir. Allez, on va allumer une console. Vous nous dites laquelle là tout de suite. Devine qui c'est. C'est l'invité mystère sur Skyrock. Et vous laissez vos messages avec l'appli Skyrock, le 41 759, le skyrock.fm. On vous offre votre
pack digital Skyrock. Allez, yes. Enceinte, écouteurs Skyrock et powerbank Skyrock. C'est parti, j'allume la console. Voilà. C'est quoi cette console mystère? Facile. Facile. C'est quoi? C'est le bruit pour allumer ça. Oui, c'est. T'as un tout petit bip. Ouais. Et... Oh. Ça, c'est à l'ancienne, ça. Ça, c'est la plus moderne. Si, c'est pas la PS5. Mais putain, ça, dis pas, mais écoute, qui vient de donner la réponse? Alors, c'est quoi la console? Vite, vos réponses. Et vous gagnez votre pack digital. Et attention, on retrouve Lorenzo qui s'est fait arnaquer juste après les 7h27. C'est la radio des numéros 1. Salut, c'est Val dans le morning de Tifoul. C'est Belka, c'est Stromae sur Skyrock. C'est Kobaladé, sur Elsa, Aya Nakamura. Les numéros 1 se réveillent avec Tifoul sur Skyrock. 6h-9h, bienvenue dans le morning de Tifoul. Premier sur ton réveil. Il est 7h32 sur Skyrock, attention aux arnaques. Et oui, attention, Romano arrive avant 8h du matin. On le retrouve pour les conseils pas chers. On écoutera aussi Rosalie at the Weekend. On écoutera du Jul aussi. Et puis bien sûr, on a notre grand référendum sur les trucs lents qui vous énervent. Exactement. Qu'est-ce qui est lent et qui vous énerve? Vous nous dites tout. Et puis là, on va retrouver l'arnaqué du jour. Il s'appelle Lorenzo et il est passé à la télé. Ils l'ont humilié dans 66 minutes sur M6. Ouais. Lorenzo qui pensait se faire de l'argent en vendant des PlayStation 5, les vendait plus cher. S'est dit, je vais me faire un paquet de thunes. Quelle est donc la console mystère? Non, je n'ai rien dit. On a Malik au téléphone avec nous. Malik, tu étais le premier à nous dire que ce petit bruit-là, c'était quoi? C'est la PlayStation. Eh ben oui, c'est gagné, Malik. Oui. Bonjour, Malik. T'as gagné ta PS. Bonjour. T'as gagné pas ta PS5, non, t'as gagné ton pack digital. Le pack digital Skyrock. C'est déjà pas mal. Et tu gagneras peut-être Astérix tout à l'heure. Bravo, Malik. J'espère bien. T'as une vieille console à la maison, toi, Malik? Une Wii. Pour les enfants surtout. Très bien. Pour les enfants, oui. Il la saigne la Wii, comme ça ils te foutent la paix pendant ce temps, c'est ça? C'est ça. Voilà. Ah, c'est bien, c'est pratique. Ça. Bon, pack digital, ça il est que pour toi. Tu restes bien là avec nous tout à l'heure, 9h15, tirage au sort pour aller à Astérix. Et ben avec les enfants, comme ça ils vont s'éclater les enfants avec toi. Ah oui, c'est superbe. Et ben bravo à toi, Malik. Tu salues tout le 31 pour nous, Malik. Ok, ça sera fait. Eh ben ça roule, ne quitte pas Malik et écoute bien, surtout écoutez bien, ne vous faites pas arnaquer. Reportage. Lorenzo, étudiant, pense se faire un joli bénéfice en revendant beaucoup plus cher deux consoles de jeux introuvables en magasin. Et les a vendues, 700 balles les consoles. Il arrive, il me sort 7 billets de 100. Je sens une différence, un peu dur, les billets, pas comme d'habitude, ils étaient tout lisses, tout propres. Oui, donc c'est peut-être des faux billets alors. Et il me dit, t'inquiète pas, c'est des billets, ils sortent de la banque, ils sont tout neufs, ils sont vrais, t'inquiète. Il me rassure. Sans preuve, sans rien, j'accepte les billets et je fais la vente. Voilà, il se fait 700 balles pour une console. Et là, Lorenzo, il se dit, tiens, je me suis fait 700 balles en faux billets. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Lorenzo est tellement en confiance qu'il lui vend sa deuxième console de jeu. Au total, l'acheteur lui lâche 1300 euros. Voilà, 1300 balles de faux billets, bien sûr. Le jeune homme ne se doute de rien. Et plus surprenant, sa banque non plus. Et oui. Mais malheureusement, il s'est passé un truc à Lorenzo. Oui. Je vais directement à la banque les déposer. Je les ai dépensés assez rapidement. Ah, et c'est qu'une semaine après que j'ai un appel de mon banquier qui veut me voir pour un rendez-vous. C'est là qu'il me dit que les 1300 euros que j'ai déposés la semaine d'avant, c'était des faux billets et que j'ai 2 jours pour les rembourser. Voilà, et l'autre, il est reparti avec ses deux consoles, tranquille. Moi aussi, je suis tombé sur un gros gogo. On demandera à Romano si c'est pas lui qui a escroqué Lorenzo. Hein. Donc au final, il a perdu 2300 balles. Non. Bah si. 1300 balles. Ouais, 1300. Ouais, mais il doit rembourser aussi. Mais oui, il faut qu'il rembourse. Ah oui, c'est vrai qu'il a payé les consoles en 2006. Les consoles, il les a achetées avant. Et ça fait 2006, pas 2003. Et ça se termine par une humiliation sur M6. Ah ouais, avec la voix off qui a un petit commentaire de fin, toujours sympa les voix off. La bande a été interpellée. Le procès a lieu dans quelques semaines. L'étudiant espère qu'il sera remboursé, mais cette fois-ci, avec de vrais billets. On espère. Super drôle, M6. Voilà, bah salut à toi, Lorenzo. T'as bien fait de passer à la télé. Tiens. Et petite astuce, faux billet. Oui. Pour savoir si un billet est vrai ou pas. Comment on met un coup de marqueur dessus. Ouais. Si la trace reste, c'est un faux. Si l'encre imprime pas, c'est un vrai. D'accord, merci. Ou tu regardes la lumière aussi. Faut un marqueur spécialisé, du coup. Non, c'est un marqueur de base. D'accord, ok. Un gros marqueur. Mais merci pour ces conseils. Des conseils anti-arnaque sur Skyrock ce matin. Et le spécialiste de l'arnaque arrive, Romano, je vous l'ai dit, pour les conseils pas chers. Mais avant les conseils pas chers, les infos de Rémi, on fait le point sur l'actu.
bienvenue. C'est parti Rémi, on va démarrer par la météo pour ce premier jour de l'été. Mais oui, on est le 21 juin. Ça y est. Quel temps pour aujourd'hui? Eh ben, c'est un temps à orage, notamment de la Bourgogne, enfin, sur la Bourgogne et la Champagne-Ardenne, là tout de suite maintenant. L'épisode caniculaire s'atténue sur le centre-est, mais on a des orages qui sont assez violents et attendus. 12 départements en alerte orange pour les orages ou les fortes chaleurs. Ça va du Cantal-Doubs, de l'Allier à la Drôme. Le soleil va tout de même revenir au nord de la Seine, mais également en Bretagne. En revanche, les orages vont se réactiver dans l'après-midi sur les deux tiers sud du pays. Le temps restera agréable sur le bassin aquitain et la Corse. Les températures ce matin, 11 à Lille, 14 à Paris, 21 à Marseille et à Lyon. Entre 19 et 36 cet après-midi, 19 à Cherbourg, 36 à Lyon. La pollution, c'est très moyen. Les indices entre 3 et 6. Et le point sur l'actu tout de suite sur Sky. Allez, on prend les mêmes et on recommence. La RATP et la SNCF seront touchés par des appels à la grève vendredi, jour de finale du top 14 entre Montpellier et Castres au Stade de France. Cela rappelle évidemment les perturbations lors de la finale de la Champions League avec le chaos que l'on connaît que ça a entraîné. Quasiment toutes les lignes seront concernées. Les syndicats se plaignent à des changements incessants de planning. Ils réclament aussi des hausses de salaire. Plus de peur que de mal hier en Gironde. Des dégâts tout de même assez importants. La grêle s'est abattue sur le département. Peu de communes ont été épargnées. Les grêlons étaient par endroits aussi gros que des balles de golf. Les pompiers sont intervenus à 209 reprises. Le Conseil des ministres prévu aujourd'hui est annulé. Il y a plus urgent. Le président va recevoir les représentants des forces politiques susceptibles de créer un groupe à l'Assemblée. Dans ce contexte, on se demande à quoi ressemblera la NUPES au Palais Bourbon. Jean-Luc Mélenchon rêve d'un groupe uni. Pas question pour Europe Écologie Les Verts et les communistes. Ils estiment qu'ils seront plus forts avec plusieurs groupes, même avis pour le Parti Socialiste qui considère que l'union n'est pas la fusion. La France Insoumise qui dégaine déjà une motion de censure sera déposée le 5 juillet. C'est le jour où Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale. C'est un moyen pour l'opposition de renverser la locataire de Matignon et son gouvernement. Il suffit d'être 58 députés pour l'enclencher, mais pour faire tomber le gouvernement, c'est plus difficile. Il faudra une majorité, ce qui obligerait à une alliance avec le Rassemblement National. Et du sport maintenant. Des nouvelles d'Adrien Rabiot. 3 ans après son arrivée, il souhaiterait quitter la Juve. Le milieu de terrain aurait demandé à partir à 1 an de la fin de son contrat. La vieille dame ne le retiendra pas, selon l'équipe. Le prix de vente de l'ancien parisien aurait été fixé entre 15 et 20 millions d'euros. Un tarif qui ne devrait pas effrayer les clubs intéressés. Manchester United, Chelsea ou encore Newcastle sont sur le dossier. Merci Rémi. Les infos reviennent tout à l'heure à 8h. Il est 7h38 sur Skyrock. Ouais. Il y a 1 500 € à gagner dans un instant. Et on parle des trucs lents qui vous énervent ce matin. Il y a des trucs lents qui vous énervent. C'est la journée mondiale de la lenteur. Le jour le plus long de l'année. Et c'est comme c'est le jour le plus long de l'année, les gens qui ont inventé cette journée géniale se sont dit, il faut prendre son temps. Ouais, par contre, parfois, ça énerve. Qu'est-ce qui vous énerve? Vous nous laissez vos messages. C'est le grand référendum du morning ce matin. Tiens, des WhatsApp audio que vous nous avez envoyés. Il y a Marion qui est énervé par les trucs lents. C'est quoi qui t'énerve, Marion? Bonjour Skyrock, c'est Marion de Lille. Bonjour. Donc dans le 59. Salut. Salut. Moi, les choses qui m'énervent, donc déjà de une, c'est l'ordinateur. Et de deux, c'est aussi la tasse de café le matin au travail qui est très longue à couler. À nous aussi. Voilà. Ah oui. Bisous. À nous aussi, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est long, ces machines à faire? C'est la machine du Belge. C'est Cédric qui nous l'a acheté. Mais elle est lente. Cédric est lent d'ailleurs aussi. D'ailleurs. Ouais, on le trouvera ce soir dans la radio libre. Il y a des gens, des gens qui sont lents. Bah, sa machine à café aussi, c'est un concept. Des trucs qui vous énervent, Marvin a envoyé un WhatsApp. Yo l'équipe, c'est Marvin de Lyon. Salut Marvin. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui sont lents sur la route. Je suis chauffeur poids lourd déjà qu'avec mon camion, je suis très lent. Mais alors les gens devant moi, ils sont encore pires. Et en plus, tu peux même pas les dépasser, ça rend vraiment fou. Donc accélérer et rouler aux limites de vitesse, s'il vous plaît. Ah, quand même, voilà. Tu précises. Bon, allez, bonne journée, l'équipe. Voilà, accélérer, bon, allez. C'est le coup de pression. 150 sur l'autoroute. Non, on respecte les limites, c'est bien, tu es prévoyant. Un truc qui vous énerve aussi, allez, Bruno, qu'est-ce qui l'énerve, lui? Et moi, les gars, un truc lent qui m'énerve, c'est Cyril, dans mon équipe de foot. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lent, c'est une catastrophe. Allez, dédicace à Vilien, désolé les gars. Salut à toi Cyril. Voilà, toi on parle de toi Cyril ce matin. Cyril, le pote de Bruno. C'est vrai, quand tu joues avec quelqu'un qui est lent dans ton équipe, t'as l'impression qu'il te fait foirer. C'est relou ça. Voilà, qui fait foirer toutes les actions. C'est le maillon faible. C'est ça, le maillon faible. Exactement. Bon, vous votez, vous nous laissez vos messages, vous nous donnez votre avis. Et Guigui, ça donne quoi sur les trucs lents? Qu'est-ce qui est... Il y a un top 3 pour l'instant là, qui
qui se dessine. Mmh. En numéro 3, c'est les appareils technologiques. Les appareils technologiques. Technologiques. Les appareils technologiques. Ah, pas mal, ouais. Genre les ordi, téléphone, bon, tout ce qui est lance, ça peut vite énerver. Ouais, Diffoul, ça vrai. Énerve, il les casse par exemple. Non, mais un truc qui m'énerve, c'est par exemple quand t'as plus de batterie sur ton iPhone, il faut un quart d'heure pour le recharger. Ah, ça m'énerve. Ah, ouais, c'est vrai que. Nuit, ah, ouais. Ça, quand ça, t'es à 1%, moi je cours à mon chargeur et je vois que quand ça tient pas. Non, le pire, c'est quand tu t'en rends pas compte et que t'es au téléphone avec quelqu'un, tu parles d'un truc important et là le machin. Hop. Ouais, mais t'as remarqué quand t'es au téléphone. Un quart d'heure, tu continues de parler. Ouais, en général, quand t'es au téléphone et que tu passes genre à 5% ou 10%, t'as un petit bruit qui fait tout doudou. Oui. Bah, du coup, ça te prévient qu'il faut charger quand même. Non, ça fait tout. Donc, t'aurais été prévenu. Non, c'est pour les AirPods. C'est pour les AirPods, il a raison, tout doudou. Non, non, ça fait aussi pour l'iPhone. Non, c'est l'AirPod. Non, tu vérifieras les deux. Ah. Non, je te dis, c'est les AirPods. Ah, monsieur, vous allez pas vous embrouiller pour monsieur, ça. Monsieur, non, je te dis, ça fait pour les deux, on fera le test. Non, je suis sûr. En numéro 2, c'est ce qui est lent et ce qui vous énerve, les voitures sur la voie de gauche qui avancent pas. Ouais, donc les voitures, comme. On en parlait aussi. Comme notre routier. Et en numéro 1, bah ça c'est pas cool. On va tous y passer. Les vieux, c'est les personnes âgées. C'est pas. Dans les supermarchés, à la caisse. C'est normal. Tout, ça le qui classe numéro 1 pour l'instant. Bon, vous votez et vous nous dites, on en reparlera tout à l'heure. C'est le grand référendum du boarding ce matin, les trucs lents qui vous énervent. Tiens, un petit point sur l'argent. On va vous offrir 1 500 €. On a Romano qui va essayer de gagner de l'argent ce matin. Et un petit point sur ce que nous disait Sam tout à l'heure. C'est un marqueur spécial pour savoir si c'est des faux billets. Hein. C'est ouais. pas, c'est ah, pas ce vrai comme dit, ouais. un marqueur. Ouais, c'est un marqueur spécial. Ouais. Salem nous dit non, c'est un marqueur spécial pour les faux billets. Attention, il y a Senti du 34. J'avais raison. Qui nous dit c'est un marqueur spécial billet. T'as raison, Guigui. Mais Guigui, voilà. Tu as toujours raison. Mais bien sûr. Ouais, bien sûr. Et Tourteau, c'est pas merci, merci. C'est un Véleda qu'on utilise pour les ardoises en plastique qui permet de savoir si c'est un faux billet. Sinon, il y a encore mieux. Hein. Les épiciers, ils ont chez eux cette petite lumière bleue. Tu vas voir ton épicier. Et ils passent le billet en dessous et voient si c'est un vrai ou un faux. Un feu. Ouais. Très bien. Voilà, après les objets tectoniques, là, maintenant, on a un vrai ouais. Tout va bien sur Skyrock. Et ben, j'espère que ça va aller encore mieux, là, maintenant. Ah, il y a 1 500 € à gagner. Et message de Tourteau, si Guy a raison, ça le fait aussi sans l'AirPod pour l'iPhone. Mais t'as toujours raison, Guy. Donc, en fait, là, ce matin, j'ai grave raison, ça fait plaisir. Mais non, mais c'est pas vrai, en plus. Mais il y a non, je jamais regarde les messages. T'attends. Allez, c'est parti. 1 500 € à gagner. C'est pour vous tout de suite sur Sky. Toutes les demi-heures. Diffoul fait sauter la banque. C'est les 1 500 € sur Skyrock. Hier matin, on a fini la matinée avec trois gagnants pour les 1 500 €. Vicky de Charleville-Mézières, Nicolas de Laval et Rosa de Juvisy. Tout le monde a répondu Skyrock. Le morning, ouais. C'est 1 500 € toutes les demi-heures. Et là, on va filer à Paris. Allez, c'est parti à Paris. 1 500 € à gagner. À Paris, dans le 19e. Si vous êtes dans le 19e, il y a 1 500 €. Si vous êtes surtout Sophia Setki qu'on a tiré au sort. Allô, les Setki. Allô, Sophia. Oui. Oui, bonjour Sophia. On est en direct à la radio, Sophia. Oui. C'est la radio qui t'appelle. On t'a tiré au sort et on t'appelle pour t'offrir 1 500 € ce matin. Eh oui. Il y a 1 500 balles à gagner, Sophia. Il faut juste répondre à une question. Est-ce que tu es prête? Oui. Oui. Je vais te demander, Sophia, quelle est ta radio préférée? T'as la bonne réponse, tu gagnes 1 500 €, Sophia. Ouh. Allô, Sophia. Alors là, il faut pas te planter, Sophia. Il y a 1 500 € à gagner si t'es la bonne. Comme tu le dis, Sophia, 1 500 €. Suspense insoutenable. Alors, Sophia, je te repose la question, il va falloir répondre. Enfin, si tu veux gagner, hein, 1 500 € si tu me dis quelle est ta radio préférée, c'est. Fun Radio. Alors, Sophia. Alors là, Sophia, c'était Skyrock au téléphone. Il y a 1 500 €. Bah oui, c'est vrai. Moi aussi, j'aime ce Skyrock. Bah oui, mais c'est trop tard, Sophia, là. Bon, c'est pas grave. Écoute, bah ouais, ce sera pour la prochaine fois. On va te faire un gros bisou, Sophia. Ouais, et puis surtout, la prochaine fois, on espère te retrouver sur Skyrock. Viens écouter la radio musicale la plus écoutée dans toute l'île de France et à Paris, dans le 19e aussi. Skyrock, oui. C'est 96 FM. Bon, on te fait un gros bisou, Sophia. Bisous, Sophia. Déjeuner, Sophia. Ciao. Allez, on garde le chèque pour le prochain coup. Prochain coup, juste après les infos de 8h. Ouais. Allez, c'est parti. Faites de la musique. On écoute plein de sons. Rosalia, The Weeknd, tout de suite. C'est la Fama sur Sky. Qu'est-ce que ça, Diffoul ? Sur Skyrock, c'était la Fama, Rosalia et The Weeknd. Et il est là avec nous. Attention, le voici, le roi des arnaqueurs. Romano, bonjour. Et ses conseils pas chers. Bonjour, Romano. Bien, salut. Bon été, bonne bonsoir. Fête de la musique à toi aussi, Romano. Merci. De rien, de rien. On a parlé de romantisme. Est-ce que tu as un témoignage romantique sur un truc que tu aurais fait pour Cariole? Parce qu'elle a pas réussi à trouver d'idée, dis donc. Bah, je l'emmène en vacances. Voilà. Non, mais attends. Bah, voilà, bien dit ça, Romano. C'est, bravo. Tu sais pire que ça. Quel homme? Je te sors au restaurant. Je te sors au restaurant. C'est pas romantique, tout ça, hein? Quoi d'autre? On parlait de romantisme. Vrai, mais
Sinon, qu'est-ce que je te fais? Bah rien. Je porte tes bagages à la gare, à l'aéroport. Si t'as envie de te, si t'as envie de te marier un jour, une demande de mariage romantique, la vidéo est géniale, je l'ai d'ailleurs, là, je suis en train de la regarder, enfin, je l'ai regardée juste avant sur l'Insta du Morning, la vidéo de l'Italien qui prend le micro dans un supermarché et qui est là. Amore mio. Amore mio. Amore mio. Avec une voix de romantique totale. Amore mio. Amore mio. Et. Et. Je voulais te demander. Una cosa. Une chose. Devant tutti. Oui, devant tout le monde. Ti amo. Je t'aime. Et c'est la mia vita. Et t'es ma vie. Ti voglio chiedere di sposarmi. Je voulais te demander de m'épouser. Et là, t'as une meuf qui applaudit, la tristesse totale. Non, mais c'est beau. Mais moi, c'est romantique. Ouais, c'est romantique. Même si c'est dans un supermarché, je trouve ça super romantique. Et ben voilà ce que tu peux faire, Romano, si tu veux. Non, mais c'est la tristesse absolue. Ah ouais, c'est original. Il y en a beaucoup qui pensent comme toi, Romano. C'est la déprime. Bon. Bah, ou alors le mec, il a fait ça en espérant que le magasin file un cadeau, un caddie gratuit. Bah, peut-être, ouais. En tout cas, la vidéo, vous pouvez aller la mater si vous êtes romantique. On aura l'horoscope de l'amour qui arrive, mais d'abord, les conseils pas chers. Allez, musique. Il est tout petit. Mais c'est le plus grand des escrocs. Romano, les conseils pas chers. Allez, musique. Comme tu dis, Romano, c'est les conseils pas chers. Comment faire pour gagner de l'argent en ce premier jour de l'été, en ce jour de la fête de la musique? Eh bien, ce matin, je suis musicien, je vais jouer de la musique ce soir. Et j'ai besoin d'avoir du courant gratuit, parce qu'il faut que je branche mon matériel. Ouais. Donc je vais demander aux familles, c'est un peu un test de solidarité, voir si les familles sont prêtes à accueillir un groupe devant chez elles et à prêter de l'électricité pour que la musique batte son plein. Exactement, donc de l'électricité pas cher ce matin. Jour de fête de la musique, ça peut marcher, on va voir. Hein. On a qui, Guigui? Ah, t'es content, tu tapes un mec devant chez toi qui fait que de la musique. Et en plus, il te pompe ton électricité, c'est en cool. En plus, ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que t'as le pouvoir de tout débrancher si au bout d'un moment, c'est il vrai. Vraiment chier. Voilà, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Disjoncteur et blum, oh, bah, y'a plus de musique. Oh putain, merde, y'a plus de concert, terminé. Bon. Là, on va chez Claude pour démarrer. On va chez Claude, c'est parti. Bonne chance, Romano, vas-tu réussir tes conseils pas chers? Eh bien, on y va tout de suite. Allez. Chez Claude. La fête de la musique, on fête ça ce matin. Si vous avez des témoignages là-dessus, vous, n'hésitez pas, vous nous dites. Allô? Ah. Ouais, Claude? Non, il est pas là, je vous dis qu'il est au jardin, puis je peux pas aller le chercher, c'est pas tout près. Ah, parce que c'est MC Lapins, là, rappeur à l'appareil. Yo. Qui? MC Lapins, yo. Oh. Yo, darling, comment tu vas? Oh, hé, hey, y'en a marre, hein. Y'en a marre, bah alors, ça démarre, là. C'est la fête de la musique, là. Vous allez peut-être arrêter, non? Ben écoutez, je vais venir là brancher mes platines pour faire un spectacle là pour la fête de la musique. Ah, je vous emmerde, monsieur. Au revoir, monsieur. Je vous remercie, madame. Voilà. C'est très sympathique. Voilà. Au revoir, madame Claude. C'est madame Claude. Ah. Très très sympa. Ouais, c'est sympa la fête de la musique vers chez elle. Oh, un autre. Ouais, un autre. Ouais, on va chez Sylvain. Je veux bien, ouais, parce que là, c'est quand même un échec cuisant là. Oui, ouais. Mais bon, c'était que le premier coup de fil. Allez, on va chez Sylvain. Ouais, Sylvain. Ouais, on se chauffe. Sylvain pour la fête de la musique. Allez. Allô. Allô. Oui. Ouais, Sylvain? Oui. Ouais, bonjour, comment tu vas? C'est qui? C'est MC Lapin, c'est l'appareil, je suis rappeur, là. MC Lapin, c'est rappeur, ah bon, je connais pas. Ah bah ouais, je rappe du fromage. Ah ouais, d'accord. Bon, d'ivoire, là, je t'appelais pour la fête de la musique. Je vais venir brancher la sono directement devant chez toi, là. Ah ouais? Ouais, donc est-ce que je peux tirer un câble jusqu'à une prise et après ouais. Je commence à faire les répétitions quoi. Ah ouais, bah tu l'as prise, tu te la mets où? Non mais tu vas me dire. Ouais, au cul. Ah ouais, bah, j'ai essayé, ça marche pas, y a pas de courant. Ah bah merde. Eh oui. Bah par contre dans le chat ça marcherait peut-être mieux hein. Je ah bah peut-être ouais. Ouais, je vais venir te voir tout de suite comme ça on va voir ça ouais. Entre hommes. Ouais, ouais, y a pas de problème. Comme ça, tu vas rencontrer un rappeur. Yo. Ah. Yo. Ah, yo, ouais, yo, pas de problème, yo. MC La Pince. MC La Pince, c'est dans la place. Ouais. Ouais, ouais, yo. Allez, bonne journée. Salut, yo. Voilà. Salut, yo. Et n'oublie pas la prise dans le suite. La j'arrive. Prise, hein. La prise dans le cul, Sylvain. Hein. Ah, tu n'oublies yo. Pas, c'est super. Et donc, il va se prendre une prise. Tu vois, lui, il connaît, t'inquiète. Ah, ouais, il est dans le truc. Rap. Yo, ouais, yo. Et ben voilà. On attend pour un autre. On peut en faire un dernier, ouais. Allez, un petit dernier, bon. Alors, j'ai déjà une prise là, j'ai déjà du courant gratuit. Alors une dernière. On appelle Michel. Allez Michel, c'est parti, ça sonne. Allez Michel. Yo, MC Lapin, c'est dans la place. Ouais. Yo. Vive la fête de la musique. Ah. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Michel. Oui. Ouais, MC Lapin, rappeur à l'appareil. Je t'appelais là pour la fête de la musique. On va venir s'installer devant chez vous. Quand ça? Bah, pour la fête de la musique, pour ce soir, là. Ce soir? Eh oui. Ouais.
Il faudrait nous donner le courant, nous servir à boire et à manger. Carrément. Oui. Ouais, ce qu'on a vu avec la mairie. Et après, comme ça, on fait un concert de rap, on fume des joints, on se drogue un peu et ça va être super. Mais vous êtes qui? MC Lapince, rappeur. Eh ben, pourquoi pas. Allez. C'est bien sympa. Donc, je peux passer ce matin là pour faire un repérage et commencer à tirer du câble. Oui. Ouais, bah nickel. Et puis je te dis de quoi j'ai besoin en boisson et en nourriture pour ce soir, quoi. Voilà, ouais, on va en discuter. Ouais, bah vas-y, parfait. Bah je suis là dans 5-10 minutes. Ok, ça marche. Ah bah super, merci à toi. Allez, et je te dis suite. Yo et wesh. Wesh. Yo. Wesh. Wesh. Ok, wesh, allez, à tout de suite. À tout de suite, bisous. Et bah voilà, c'est parti. Salut Michel. C'est super sympa. Il y a des gens qui sont comme ça marche, ça fait Ouais, voilà. Vous voulez des visites gratuites, eh bien n'hésitez pas, on vivra la fête de la musique ce soir, vous pourrez nous raconter ce qui se passe du côté de chez vous. Et si vous avez des témoignages d'ailleurs ce matin sur des fêtes de la musique qui sont bien, qui sont mal passées, des rencontres que vous avez faites, des musiciens abominables qui vous ont cassé la tête, tout, vous nous dites 06 86 101 101. Et là c'est l'horoscope de l'amour à 8h-5. Tu veux savoir comment va se passer ta journée? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce mardi 21 juin, jour de l'été, jour de la fête de la musique. Et les poissons et les vierges, vous avez passé une super journée. Vous avez 5 sur 5, c'est la meilleure note du jour. Une excellente nouvelle qui vous fera plaisir aujourd'hui. Tout va vous réussir en amour, mais pas seulement. Les scorpions et les cancers, vous avez 4 sur 5. Si vous êtes célibataire, vos chances de faire une rencontre sont bien réelles aujourd'hui. Si vous êtes en couple, l'amour de votre partenaire vous donnera de la force tout au long de ce mardi. Les béliers et les capricornes, vous avez 3. Vous irez de l'avant en ce premier jour de l'été, de l'avant dans vos histoires d'amour et dans vos histoires d'amitié aussi. Les balances et les gémeaux, vous avez 2 sur 5, vous serez en mode détente et vous repousserez toutes les corvées aujourd'hui pour être bien. Bon, attention à ne quand même pas prendre trop de retard, sinon c'est comme ça que vous passerez une bonne journée. C'est un beau 2 pour vous, balance et gémeaux. Lion et taureau, vous avez 1. Si quelqu'un doute de vos sincérités, vous saurez prouver qu'il ou elle a tort. Et on finit avec le 0 du jour, les Verseaux et les Sagittaires. Super. 0 sur 5, ne vous sacrifiez pas trop pour vos amis ou alors pour votre chérie. Aujourd'hui, c'est une journée pour penser à vous. Ouais. C'est comme ça, vous passez votre journée tout seul. Et comme ça, vous êtes bien. Voilà pour nos conseils. Le morning, il est 7h56. Les infos arrivent. Les 1500 euros aussi. Tous les matins, c'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. J'écoute le morning de Default dans toute la France. C'est là qu'il pense. C'est là qu'il pense. Ils sont premiers sur son réveil. Ouais, ouais. Ils sont prêts à tout. Pour te réveiller en direct sur Skyrock jusqu'à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. 6h-9h tous les matins. Il est 8h04 sur Skyrock. Bon été. Bah oui, c'est l'été aujourd'hui. On est le mardi 21 juin. Et ouais, l'été, oui. La fête de la musique. On en reparlera d'ailleurs si vous avez des petites anecdotes sur la fête de la musique. Vous n'hésitez pas, vous nous envoyez vos messages. Vous avez la parole tous les matins. 06 86 101 101. C'est le WhatsApp audio du morning. Sinon, l'appli Skyrock, le 41 759. On en reparlera tout à l'heure. On parlera donc de notre fête de la musique. Et on sera très romantique ce matin. Les trucs les plus romantiques que vous avez fait dans votre vie ou les trucs les plus romantiques qu'on vous a fait. Vous nous racontez tout et on aura un beau moment de romantisme avec une émission mystère à découvrir à 8h20 tout à l'heure, dans un quart d'heure. À 8h20, je vous présenterai aussi la ch'touffe du jour. C'est une prof. Si vous allez en cours ce matin, si vous allez encore en cours, eh bien vous allez peut-être avoir envie d'avoir une prof comme ça, une prof d'art plastique qui a été licenciée. Alors pourquoi elle a été licenciée? Si vous avez la bonne réponse, vous pouvez nous dire. Pourquoi la prof a-t-elle été licenciée? On va faire un jeu bonus là, et on va vous offrir un pack digital bonus. Elle faisait de la peinture sur la peau des élèves. Elle faisait, c'est pas con ça, tiens. Vous avez des propositions? T'imagines, c'est prof taré. C'est pas con, mais c'est pas ça. Quoique, bon. Elle a fait plein de trucs, donc vous avez peut-être à vous trouver la bonne réponse. Ah. Elle a fait plein de trucs avec ses élèves dans le cadre d'un projet artistique scolaire. Ses élèves qui avaient 15 ans. Vous avez la bonne réponse, vous nous laissez vos messages avec l'appli, le 41 759 et le skyrock.fm. On en reparle tout de suite. Mais d'abord, on va faire le tour de l'actu. C'est l'heure des infos à 8h05. Rémi, on va commencer par la météo pour aujourd'hui. Ouais. Comment est ce premier jour d'été?
Eh ben, et orageux. Voilà. Orageux ce premier jour d'été, orageux et encore un peu caniculaire. Bon, on a des orages ce matin en Bourgogne et en Champagne-Ardenne. L'épisode de chaleur s'atténue sur le centre-est. On a des orages assez violents qui sont attendus. 12 départements d'alerte orange pour les orages et ou les fortes chaleurs du Cantal au Doubs, de l'Allier à la Drôme. Le soleil reviendra au nord de la Seine, mais également en Bretagne. En revanche, les orages vont se réactiver dans l'après-midi. Sur les deux tiers sud du pays, le temps restera agréable. Sur le bassin aquitain et la Corse, les températures ce matin, 12 à Lille, 15 à Paris, 21 à Marseille et à Lyon. Cet après-midi, il fera 19 sur la pointe du Cotentin, on aura 22 en Bretagne, 23 sur la Rochelle, 24 près des frontières du Nord et la Côte Basque, on aura 25 sur les Ardennes, 26 si vous êtes sur le bassin aquitain, 27 en région parisienne, 29 du côté de la Haute-Garonne et de la promenade des Anglais, 30 en Alsace, 31 sur le massif central, 33 en Bourgogne, 34 dans la Loire, 35 à Grenoble, 36 à Lyon. La pollution. Chaud. Ouais, chaud. Chaud. La pollution, c'est pas terrible, les indices entre 3 et 6. Et toute l'actu, tout de suite sur Skyrock. Ouais, le changement aura été de courte durée. Le classement des prénoms les plus donnés, qui avait vu Gabriel être détrôné par Léo chez les garçons en 2021, est moins surprenant cette année. Gabriel retrouve sa première position, talonnée par Léo et Raphaël, qui complètent le podium. Derrière, on retrouve deux prénoms classiques habitués du top 10. Louis, qui dépasse de peu Arthur. Les parents de petites filles ont de nouveau été nombreux à choisir Jade, qui arrivait déjà en tête l'an passé. Le top 3 est d'ailleurs le même. Louise en deuxième, Emma à la troisième place. Plus de peur que de mal hier en Gironde, mais des dégâts assez importants par endroits. La grêle s'est abattue sur le département. Peu de communes épargnées. Les grêlons étaient par endroits aussi gros que des balles de golf. Les pompiers sont intervenus à 209 reprises. Il le redit ce matin, Fabien Roussel, hein, il ne veut pas un seul groupe uni à l'Assemblée nationale comme le veut Jean-Luc Mélenchon. Pas question pour Europe Écologie Les Verts, pour les communistes, mais aussi pour le Parti Socialiste, qui estime qu'ils seront plus forts avec plusieurs groupes. D'ailleurs, le Parti Socialiste considère que l'union n'est pas la fusion. En tout cas, Emmanuel Macron a toujours une France sans dessus-dessous. Ce matin, le conseil prévu des ministres est annulé. À la place, le président va recevoir les représentants des forces politiques susceptibles de créer un groupe à l'Assemblée, avec en ligne de mire le 5 juillet le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Est-ce qu'il y aura une motion de censure déposée par la France Insoumise? C'est bien possible. Est-ce que les autres députés vont suivre, les autres députés de l'opposition? C'est bien possible aussi. Il suffit d'être 58 députés pour enclencher cette motion de censure, et pour faire tomber le gouvernement, c'est plus difficile, il faudra une majorité, ce qui obligerait à une alliance avec le Rassemblement National. De très puissantes voitures, des scooters, des motocross, une sorte de buggy qui a fait des drifts en plein milieu de l'autoroute A43, c'est ce que l'on peut voir sur les images partagées sur les réseaux sociaux, filmées par le leader des Dalton. Au milieu de cette mise en scène, la crime et Mani GT au volant d'une énorme Lamborghini orange et d'une Ferrari rouge. Le cortège a tourné un clip de rap et s'est lancé du 8e arrondissement de Lyon pour s'immobiliser sur l'A43. Alors le tournage sauvage n'a duré que quelques minutes. Pareil pour le blocage, mais ça reste illégal. Les protagonistes risquent jusqu'à 2 ans de prison. Personne n'a pour le moment été interpellé. Et le point sur le sport tout de suite. Ouais, et ça ne serait plus qu'une affaire de jour là, selon l'Équipe et Nice Matin. Les Aiglons et les Parisiens se sont entendus, ça y est, pour le montant de l'indemnité à verser pour voir Christophe Galtier rejoindre la capitale. Bien cher, puisque le PSG mettrait 10 millions d'euros sur la table pour attirer le technicien. L'officialisation ne serait plus suspendue qu'à la fin du bail de Pochettino. Pour le moment, Paris ne confirme pas, mais c'est comme si c'était fait. Christophe Galtier, le Marseillais, qui débarque au Paris Saint-Germain. Et ouais, ça fait plaisir. Kylian Mbappé, comment ça va? T'es content? J'arrive. Ah là, on est bien. C'est un culé de Parisien. Vous avez perdu un match, il va les insulter. Vous êtes des enculés de Parisien. Ah ouais, ça va être bon délire. Dans un instant, on saura ce que la prof Stoff a fait faire dans le cadre d'un projet artistique scolaire. Des profs un peu bizarres, vous en avez. Le prof le plus allumé que vous avez eu, tiens, vous pouvez témoigner si vous avez des messages à nous laisser. Vous avez la parole tous les matins, 06 86 101 101. Ouais. Vous nous envoyez tout ça et vous gagnerez peut-être Astérix. Et oui, on vous offre le parc Astérix pendant tout un week-end. Ouais. C'est pour vous, c'est à gagner tout au long de la semaine. Vous en avez un par jour, c'est jour pour 4 personnes. Vous avez l'hôtel, la totale, passez un week-end super au parc Astérix. Et avant tout ça, on vous annonce Nino pour le réveil de star. Gros réveil de star avec Nino. Fête de la musique sur Skyrock. Et puis bon, la fête de l'argent, c'est tous les matins. On a 1500 euros à offrir. C'est parti, 1500 euros pour vous tout de suite. Pour gagner 1500 euros, il suffit de répondre Skyrock. C'est facile, c'est tombé 3 fois hier matin. On embrasse d'ailleurs les gagnants d'hier matin. Vicky de Charleville-Mézières, Nicolas de Laval et Rosa de Juvisy dans le 91.
Et on va peut-être vous offrir de l'argent si vous êtes dans le 63 en file, yes, dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand, où Skyrock est la radio musicale la plus écoutée. Merci les Clermontois. On va chez Junior Blé. Ah, c'est marrant, tu t'appelles Blé, tu vas gagner, c'est pas possible. Oui, allô, allô. Oui, bonjour monsieur Blé. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Junior. Oui, ça va, oui. Salut Junior. Tu veux gagner... Junior. Tu veux gagner du blé ce matin, Junior? Oui. Junior, je vais te poser une question. On est en direct à la radio. Tu me dis quelle est ta radio préférée et tu gagnes 1500 euros. Skyrock. Mais je te sentais bien dès le début, Junior. Ouais. Eh bien, Junior, t'as la table. Allez, une troisième fois, Junior, pour le plaisir. T'as un nom. Voilà. T'as un nom prédestiné, Junior. Hein. Tu t'appelles Blé et tu gagnes 1500 euros. C'est bien pas joué. Beau, ça. Bravo, merci. Junior. Bravo. Merci. De rien, de rien. Présente-toi un peu, Junior. T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Dis-nous tout. J'ai 37 ans, je travaille dans un laboratoire médical à Saint-Bosir. Très bien. Et eh ben tu as gagné 1500 euros, tu vas pouvoir te faire plaisir. Tu vas faire quoi avec tes 1500 balles? J'ai une association en Côte d'Ivoire. Je vais acheter des fournitures pour des enfants déshérités dans mon pays. Bon, c'est bien, Junior. Gentil, ouais. Ah ouais, c'est bien. T'en gardes un peu pour toi ou t'envoies tout en Côte d'Ivoire? Ah non, je vais garder 1000 euros, je vais prendre 500 euros pour acheter des fournitures. Oui. Ah, c'est bien. Ah, bah, écoute, bravo Junior, bravo à toi, oui. C'est bien. Bah, écoute, ça fait plaisir. Eh ben, Skyrock est heureux de s'associer à tout ça. Et puis, fais ton plaisir aussi un peu, Junior. Oui, exactement. Merci Skyrock. Eh ben, merci Junior, bravo à toi. Les 1500 merci. Euros reviennent. Tu quittes pas, Junior, hein. Reviens dans une demi-heure. Encore 1500 balles à gagner, vous avez pigé, vous faites Skyrock, vous répondez Skyrock le morning. Après, vous faites parla papa papa papa. Et vous, vous passez une super journée. Belle journée à toi, Junior. Salut, mon poteau. Bonjour. Salut, Junior. Ciao. Tous les matins, 6h-9h, le morning de Default sur Skyrock. Filtré, mais oui, c'était Timal et Gazo sur Sky et on a la réponse à la question que je vous ai posée. On parle de la prof Stoff, la Stoff du jour, une prof d'art plastique qui a été licenciée. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de faire un projet scolaire artistique. Original. Et Gabin a la bonne réponse. Salut Gabin, en direct du 69, t'as 18 ans, bienvenue Gabin. Salut. Salut. Salut Gabin. Alors Gabin, qu'est-ce qu'elle a fait dans son super d'abord, avant la bonne réponse, est-ce que t'as déjà eu des profs un petit peu ch'tauf, toi, Gabin? Ouais, fort. Par exemple, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait moi? Rien, mais les profs, elles étaient chaudes en fait. Ah, t'as eu des profs chaudes, toi? D'accord, ok. Ah, là, tu parles de la prof anglaise? Mais oui, elle était chaude, la prof anglaise. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, la prof anglaise, Gabin? La prof d'anglaise? Elle était un peu... Elle faisait exprès de venir vers moi, mettre sa main sur l'épaule et tout, en mini-jupe. Pas ta prof à toi, gros. Attends, mamie. Non, mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Ah ouais, t'avais une prof chaude, toi aussi. D'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'elle a fait, la prof d'art plastique, là? Alors, elle habillait les élèves sexy, un peu. Alors ouais, elle faisait des photos. Alors des photos topless des élèves. Hein? Non. Si les élèves prenaient la pose, par exemple, également avec donc des cigarettes au bec, parce qu'elle trouvait artistique. Sexy, ouais. Donc elle faisait des photos avec des élèves donc topless, cigarettes au bec. Il y avait par exemple également une photo où une élève a été prise en photo avec la main dans le slip. Attends, mais les filles, elles étaient seins nus? Oui, elles étaient seins nus, mais cachaient les seins quand même, hein. Oh, mais même c'est quand même. Et moi, très mes enfants, je vais voir la prof, je l'insulte direct. Ah, je t'embrouille. Ah ouais. Ah oui. Donc elle habillait les élèves sexy pour faire des photos sexy pour les parents. C'est ça. Hein. Mais c'est un projet artistique scolaire. La prof a été scandalisée, a dit de toute façon, ils comprennent rien à l'art. Bien sûr. Elle a décidé d'arrêter sa carrière. De toute façon, elle avait été suspendue pendant 2 ans. Ah bon, allez. Mais elle a dit que dans 2 ans, elle ne revenait plus en cours. C'était fini, terminé. Terminé, fini. Bah bravo Gabin, t'as trouvé la bonne réponse. Et t'as de la chance, tu devais être content en cours d'anglais aussi, puisque. Ouais. Ah, t'as petit prof. Ouais, tout dépend de la prof, quoi. Prof sympa, mini-jupe. Parfait. Bravo Gabin, on va t'envoyer ton pack digital Skyrock. Et si vous avez eu des profs un petit peu bizarres, vous aussi, vous pouvez nous laisser vos messages. Et nous envoyer tout ça au 06 86 101 101. On écoutera les WhatsApp avant 9h. Bisous Gabin, bonne journée. On te met dans le tirage au sort pour Astérix. Bisous. Salut. Ciao, Gabin. Salut. Force à toi Gabin. Et journée de fête de la musique. On reparlera de la fête de la musique aussi. On a plein de choses à faire. Hein. Et on parlera des romantiques aussi dans un instant avec une émission mystère à découvrir. Mais avant ça, c'est Nino, c'est l'heure du réveil de Star.
et ils parlent avec une star. Ça va quoi? Mais ils le savent pas. Franchement, je veux pas quitter. Tiens, 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 c'est Nino. C'est le réveil de star. Nino, de où? Seulement sur Skyrock. Allez, réveil de star sur Skyrock. Nino qui réveille les Français. On réveille Johnny ce matin. Et oui, on a réveillé Johnny. On lui a passé un petit coup de fil. Johnny pour parler drague et drogue. Les deux, drague, drogue. Et Nino, allô, tout de suite. Allô? Attendez, j'entends rien, allô? Oui, bonjour. Ah, oh, vous êtes qui? Salut, c'est Nino. Ouais. Johnny. Non, je vous passe. Ah ouais, c'est génial. Non, c'est génial. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ça va ou quoi? Et c'est qui? C'est Nino. Hein? Salut, c'est Nino. Oui. Je sais qu'elle m'aime à la folie. Eh, tu te fous de ma gueule, non? Il paraît que tu as annoncé vouloir faire un break. Eh, tu me prends pour un con ou quoi? Ouais, carrément. Ouais, ben, fais gaffe à ta gueule, parce que moi, je vais te démonter. Bla, bla, bla. Je vais te démonter ta gueule si je te rends compte, d'accord? C'est sûr. Tu fais pas le coup du patron, gros. Hein? Tu fais pas le patron, gros. Ah ben, viens, viens, je t'attends. J'ai du cannabis de ouf. Ah ben oui, je fume pas de la drogue non plus, connard. Mauvais, mauvais bandit, bandit, on pense qu'à voler, ouais. Non, mais t'es vraiment un shooté, toi. Good vibes, c'est ça, c'est, tu connais, tu vis. T'es un connard, toi, ouais. Dès que j'ai un petit temps, tac, je passe. Et je te préviens que t'es sur enregistrement, hein. Ah, ça peut arriver à tout moment. En passant, tu te démerdes, moi, sur la gendarmerie. Oui, gendarmerie nationale, ah, c'est qui? Bonjour. Ça va quoi, mon frère? Ouais, tu veux te retrouver au poste? Oh, mais à mort. C'est que nous deux. Ouais, c'est ça. Maman dans ta gueule, t'en veux? La reine du royaume, c'est toi. Ouais, bah, grand amour, tu vas le faire ailleurs, mais pas ici. Voilà. Et super en gendarme, la femme de Johnny. Hein. Ouais, voilà, voilà. C'était la femme de Johnny, très belle imitatrice du gendarme, de la gendarmette même. Et Johnny et Nino pour le réveil de star. Il est 8h20 sur Skyrock. De 6h à 9h. T'écoutes le morning de Default sur Skyrock. Anita sur Skyrock, c'était Envolver à 8h23 et on va parler romantisme ce matin avec la vidéo romantique du jour à voir sur l'Insta du Morning de Difool. Allez mater l'Insta du romantisme également avec un mariage et une émission mystère à découvrir. Mais avant ça, bah, vos messages, les messages que vous nous avez envoyés au 06 86 101 101. Beaucoup de romantiques, garçons et filles. On va commencer par qui? Tiens, Mathieu, un garçon très romantique à 8h23. Ouais, salut l'équipe. Un bonjour à tout le monde, moi c'est Mathieu du 78. Bonjour Mathieu. Ce qu'elle m'a fait, mon ex-femme, le plus romantique, c'était de me payer une soirée à l'hôtel, bougie, petit déjeuner, repas petit déjeuner. Wow. Et quand on est parti pour manger, oui, on lui dit « c'est vous la chambre 118 ?» Oui, oui, il y a le feu. Elle avait laissé les bougies allumées. Tout à fait. Voilà, voilà l'équipe. Comme c'est romantique, l'amour qui brûle de mille feux. Ah ouais, c'est mignon, tout à cramé. Super romantique, le feu à l'hôtel. Pas comme tout, donc. Sympa. Bon, ça partait d'un bon sentiment. C'est très romantique. C'est bien, ça. Un autre message romantique, le message de Arnaud. Ouais, salut l'équipe. Salut. Moi, Arnaud, le mode lover que j'ai pu faire au max, c'était que j'ai demandé ma femme tout en haut d'une montagne en Italie, où il y avait une vue super dégagée. J'ai fait ça devant ses parents. Et tombé. Le truc, c'est que ils savaient pas qu'elle était enceinte et du coup ils ont tout appris en même temps. Et ma femme, elle était au bout de sa vie parce qu'elle a monté quasiment 800 mètres de nivelé aussi. Oh, voilà, voilà. Allez, à bientôt, Arnaud du 91. Salut Arnaud du 91. Salut Arnaud. Je vois qu'elle a pas fait une fausse couche, t'imagines le cauchemar. T'imagines la pauvre. Voilà, ou alors elle tombe, bam. Voilà, vous êtes romantique. Vous avez eu deux messages de garçons avec une fille romantique qui fout le feu à l'hôtel et puis donc Arnaud qui fait monter sa femme enceinte en haut d'une montagne. Ça, c'est sympa. Il y a beaucoup de romantisme. On fait tout par amour. Eh bien, on fait tout par amour. Et parfois, on est amoureux et on est jaloux. Vous allez voir, elle est presque amoureuse de son frère. C'est notre émission Mystère à découvrir. Je vous parle d'une meuf qui est passée dans l'émission, qui s'appelle Karine. Eh bien, on va découvrir Karine. Dans un instant, vous allez voir, Karine a eu des moments difficiles à passer. Et on compte sur vous pour la bonne réponse. Là, tout de suite, à gagner votre pack digital Skyrock. Devine qui c'est. C'est l'invité mystère sur Skyrock. L'invité mystère, donc l'émission mystère, c'est quoi? Karine, elle est passée dans l'émission, c'est elle. Mon frère, c'est une personne en or. Vous allez voir, elle kiffe son frère, mais à donf. Il faut être sincère, je suis possessive, oui, c'est une évidence avec lui. C'est ça, maladive possessive même. C'est vrai que de ne pas l'avoir près de moi à ce moment-là, j'ai l'impression d'être perdue, donc j'ai hâte qu'il arrive. Voilà, il va arriver, et puis après il va se marier, donc tu vas l'avoir moi près de toi, tu vas voir. J'espère qu'elle saura le rendre aussi heureux que... Je vais pleurer.
Voilà, là, c'est que le début, la suite dans un instant sur Skyrock. Ne loupez pas la suite. C'est mignon. Et l'émission mystère, bah, les réponses, vous les envoyez avec votre appli Skyrock, le 41759 et le skyrock.fm. Dans le pack digital, il y a l'enceinte Skyrock, les écouteurs Bluetooth Sky et la powerbank Skyrock, tout pour votre téléphone et même l'inscription Astérix. Bonne chance à vous. Allez-y pour les messages. Top message, il est 8h26. C'est la radio des numéros 1. Salut, c'est Val dans le morning de Tifoul. C'est Peul Car, c'est Fromai sur Skyrock, c'est Kobalade, c'est Rel San, c'est Aya Nakamura. Les numéros 1 se réveillent avec Tifoul sur Skyrock. 6h-9h, bienvenue dans le morning de Tifoul. Premier sur ton réveil. Et Aya Nakamura qui vient se réveiller avec nous jeudi matin. La loupez pas, Aya Nakamura dans le morning. Loupez pas le morning tous les matins parce qu'il se passe plein de choses. Du gros son à écouter, Rema tout à l'heure, Soul King qui arrive et puis vous en direct. On reviendra au prof un peu chelou là. Les témoignages et les WhatsApp, on les écoutera tout à l'heure. Et puis on va retrouver Flo et on va parler d'un amour frère-sœur là tout de suite. Enfin surtout sœur envers le frère. Ouais. Un peu spécial. Ouais. C'est dans l'émission mystère qu'on va découvrir avec Flo du 62. Salut à toi Flo. Bonjour l'équipe. Bonjour Flo. Salut. Sois la bienvenue. Salut Flo. Tu as entendu, elle pleure parce que son frère va se marier. Elle s'appelle Karine. Je vous la fais écouter si vous venez juste d'arriver là. J'espère qu'elle saura, le rendre aussi heureux que moi. Je vais pleurer. Voilà. Elle est très très émue. Dans un instant, rassurez-vous, elle va pleurer pour de vrai. On va la retrouver. Dans quelle émission on l'a trouvée, Flo? C'est la question que je vous ai posée. C'est marié au premier regard. Mais oui, marié au premier regard. Il se marie au premier regard. Voilà, c'est original comme mariage. Flo, c'est gagné, hein. T'as le pack digital, il est pour toi. Bien joué. Merci beaucoup. Un pack digital qu'on t'envoie à la maison. Et puis Astérix a gagné tout à l'heure. Le tirage au sort approche. Dans trois quarts d'heure, on fait le tirage au sort. C'est peut-être toi qui vas aller à Astérix. Avec toute ta famille. Ou avec des poteaux. Tu ramèneras qui tu veux. C'est pour quatre personnes. Bonne chance. Bravo, Flo. Merci. Est-ce que tu es jalouse? T'as des frères, des sœurs? Alors j'ai des frères et sœurs, mais j'en ai pas jalouse l'une de l'autre, car nos parents nous ont toujours donné exactement pareil. Bravo. C'est beau, c'est très mignon. Magnifique. Beau témoignage. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans la vie de Karine, mais Karine est très très amoureuse, de son frère, enfin amoureuse entre guillemets. Son frère va se marier et ça lui pose des petits soucis, écoutez. Mon frère, mon seul et unique frère, c'est mon double, c'est ma vie, c'est l'homme de ma vie, hein. Désolée à la future mariée. Ouais, la future mariée s'appelle Alicia d'ailleurs. Elle, c'est Karine. J'ai l'impression de perdre quand même une petite partie de moi. Il est plus rien qu'à moi, il est à quelqu'un d'autre maintenant. Et c'est pas juste sa copine, non. C'est sa femme. Eh ben oui, c'est sa femme, ils vont se marier. Au premier regard, c'est comme ça que s'appelle l'émission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle en parle à la témoin. Ouais, la témoin de la mariée. Ouais. T'es jalouse pour avec Bruno? Non. Possessive. Possessive, un peu, hein. Jalouse, un peu aussi, un peu. Hein. Ton copain, il est pas jaloux de ta relation avec Bruno? Il a pas le choix. Qui montre même pas de jalousie parce que ça mène à rien. D'accord, bon, voilà. Ça annonce la couleur. Ah oui, par contre, je suis taureau, hein. Faut pas l'oublier. Hein. D'accord, je suis taureau. Okay. Elle a prévenu. Alors, vous voulez l'entendre pleurer? Oh alors, oui, allez. Elle pleure. Reste avec moi. Oh putain, c'est... Allez, toi, ma soeur. C'est mignon. Bah, elle aime son frère. C'est un côté mignon, quelque part. Oh, un peu trop, quand même, dire que c'est l'homme de ma vie. Gigi, est-ce que ta soeur, c'est la femme de ta vie? Ah, mais évidemment. Ah, tu vois? Non, pas du tout. Alors, c'est compliqué. Non, c'est ma ça. Mère. C'est ma mère, non. J'ai juste peur de le perdre. Fais de la peine, moi. J'ai juste peur de perdre ma moitié, de perdre mon frère. Voilà. Ah, moi, je vais pas le faire, tu restes là. Mais... Comme c'est triste. Et puis arrive le jour du mariage. J'ai une petite discussion justement avec la mariée. Ouais. Ouais, là, ça se gâte. J'ai l'impression que ça va très, 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 très vite. Bah, on est mariés, quoi. J'ai pas envie de te faire peur. J'ai pas envie de te faire peur. Vraiment, c'est pas le but. C'est pas le but. Avec la musique. C'est une mise en garde. Voilà, c'est une mise en garde. Envie de ta mise en garde. Voilà, bah, écoutez, tout s'est bien passé. L'accident est si vite arrivé. Et ils se sont mariés, ça y est. Ils sont mariés, ils sont encore ensemble. Très bien, au grand désespoir de la sœur. Exactement. Moi, j'attends les repas de famille. Il faudrait qu'ils continuent, qu'ils fassent un après marié au premier regard, qu'ils suivent un petit peu les mariés. Ouais, c'est vrai. Pour savoir comment ça se passe. Et un bon repas de famille, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être marrant. Les mariés, le romantisme ne s'arrête pas sur Skyrock. On est très romantique ce matin. On te fait des gros bisous, Flo, tiens, pour continuer dans bonne le romantisme. Journée. Et à tout à l'heure pour le tirage au sort. Salut, Flo, bisous. Le tirage au sort.
sort Astérix. Et à 8h35, eh bien, c'est l'heure, avant de faire un point, son référendum sur la lenteur. C'est ça. Et les trucs lents qui vous énervent. Eh bien, on retrouve Rémi pour les infos. C'est l'heure de l'actu. Rémi, on va commencer par la météo. Quel temps pour aujourd'hui, mardi 21 juin? Un temps orageux malgré ce premier jour de l'été. Orageux, mais aussi caniculaire. Hein. On a 12 départements en alerte orange pour les orages ou les fortes chaleurs du Cantal au Doubs et de l'Allier à la Drôme. Le soleil va revenir au nord de la Seine, mais également en Bretagne. En revanche, les orages vont se réactiver dans l'après-midi sur les deux tiers sud du pays. Le temps va rester agréable sur le bassin aquitain et la Corse. Les températures ce matin, 12 à Lille, 15 à Paris, 22 à Marseille et à Lyon. Cet après-midi, il fera 19 sur la pointe du Cotentin. On aura 22 sur la côte normande, 24 si vous êtes près des frontières du nord et sur la côte basque, 26 sur les Ardennes, 27 sur la région parisienne, 29 sur la promenade des Anglais et en Haute-Garonne, 30 en Alsace, 32 du côté du territoire de Belfort, 33 en Bourgogne, 34 dans la Loire, 36 en Vallée du Rhône. La pollution, c'est moyen. Les indices entre 3 et 6. Et le point sur l'actu tout de suite sur Sky. Ouais, on prend les mêmes et on recommence. Ça y est, la RATP et la SNCF seront touchés par des appels à la grève vendredi. C'est jour de match. Finale du top 14 et du rugby entre Montpellier et Castres au Stade de France. Bon, ça rappelle évidemment les perturbations lors de la finale de la Champions League avec le chaos que l'on connaît que ça a entraîné. Quasiment toutes les lignes seront perturbées. Les syndicats se plaignent des changements incessants de planning. Ils réclament aussi des hausses de salaire. La mort d'un plaisancier dans les Landes. Son bateau a été retourné par la houle à 150 mètres de la côte. Hier, l'un des deux passagers a réussi à se dégager. Il a été pris en charge par les sauveteurs. La victime, en revanche, n'a pas pu être réanimée par les secours. Emmanuel Macron et son jeu d'équilibriste. Le Conseil des ministres aujourd'hui est annulé. D'ailleurs, tous les rendez-vous institutionnels le sont. À la place, le président va recevoir les représentants des forces politiques susceptibles de créer un groupe à l'Assemblée. Aujourd'hui donc et demain. Dans ce contexte, on se demande à quoi ressemblera la NUPES au Palais Bourbon. Jean-Luc Mélenchon rêve d'un groupe uni, mais pas question pour Europe Écologie, les Verts, les communistes ou encore le Parti Socialiste qui estiment qu'ils seront plus forts avec plusieurs groupes et puis qui considèrent aussi que l'union n'est pas la fusion. De très puissantes voitures, des scooters, des motocross, une sorte de buggy qui ont fait des drifts en plein milieu de l'autoroute à 43. C'est ce que l'on peut voir sur les images partagées sur des réseaux sociaux filmées par le leader des Dalton. Au milieu de cette mise en scène, la crime et Mani GT au volant d'une énorme Lamborghini orange et d'une Ferrari rutilante de couleur rouge. Le cortège a tourné un clip et s'était lancé du 8e arrondissement de Lyon pour s'immobiliser sur la 43. Alors bien sûr, c'est un tournage sauvage, c'est interdit, ça n'a duré que quelques minutes, mais tout de même, les protagonistes risquent jusqu'à 2 ans de prison. Personne pour l'instant n'a été interpellé. Et le point sur le sport tout de suite. L'affaire est pliée. Après des semaines de discussions et de négociations, l'Olympique Lyonnais a trouvé son nouvel actionnaire majoritaire. Les Lyonnais ont officialisé la nouvelle et le club passe comme convenu sous pavillon américain. C'est John Textor, un vrai nom de film, qui a été choisi par le conseil d'administration d'OL Group. Il est donc le nouvel actionnaire majoritaire, mais rassurez-vous, Jean-Michel Aulas reste le patron. Ah bah on est rassuré. Ah bah oui. Merci Rémi pour les infos. Attention, avant 9h15 ce matin, on va vous offrir votre iPhone 13. L'iPhone 13 avec le 720, vous envoyez 13 au 720, ça porte bonheur. L'iPhone est à gagner, puis vendredi, vous serez en plus inscrit pour les 13 000 euros. Donc envoyez vite 13 au 720. Vous avez, vous avez 20 minutes pour nous envoyer vos messages. Faites-le le plus vite possible, on vous tire au sort, vous écoutez le morning, vous décrochez et vous gagnez votre iPhone 13. Ouais. Le bel iPhone qu'on va vous offrir, il est pour vous ce matin et vous serez inscrit pour les 13 000 euros. Ça c'est vendredi, on fait d'ailleurs un gros bisou à Shaima qui a gagné les 13 000 euros vendredi dernier. Bah faites comme elle, 13 au 720, petit conseil que je peux vous donner. Allez, pas trop lentement, même si c'est la journée mondiale de la lenteur aujourd'hui. C'est le jour le plus long de l'année, il faut donc prendre son temps, c'est ce qu'ont décidé les créateurs de cette journée. Et on vous a demandé les trucs qui vous énervaient, les trucs trop lents qui vous énervent. Plein de témoignages et vos WhatsApp. Tiens, on va faire un petit point tout de suite. Petit point WhatsApp, qu'est-ce qui vous énerve? Écoutez le message que nous a envoyé Aurélie. Salut Aurélie. Salut l'équipe, c'est Aurélie de Toulouse. Ben moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui prennent leur temps à la caisse pour ranger leurs courses là. Punaise, mais bouge tes fesses quoi. Allez, bonne journée, bisous l'équipe. Ouais, mais c'est énervant aussi les gens comme toi Aurélie, parce que moi l'autre jour j'avais plein de trucs à ranger et il y a une espèce de bonne femme qui était. Ah, que t'as mis la pression? Ah ouais, qui me mettait la pression. Bon, j'ai ralenti un peu d'ailleurs. T'as fait exprès. J'ai fait ma petite journée mondiale de la lenteur à moi. J'ai mis les trucs petit à petit dans mon sac, tranquillement. Bisous Aurélie. Un autre message, c'est qui? C'est le message de Jojo. Salut l'équipe, c'est Jojo du 6-9. C'est Jojo. Ouais, un truc qui m'énerve et que je trouve super long, c'est quand tu vas chez le médecin, t'attends des heures et des heures et des heures. Et au final, quand c'est ton tour, t'as l'impression que ça dure que 10 minutes. C'est vrai. C'est énervant.
Voilà l'équipe, bonne journée. C'est vrai Jojo, on t'embrasse Jojo. Et Audrey, qu'est-ce qui l'énerve? Coco Sky, moi c'est Audrey du 47. Oui. Et s'il y a quelque chose qui m'énerve vraiment beaucoup sur la lenteur le matin, c'est mes enfants. Mes enfants qui sont toujours en retard. Et encore une fois ce matin, on était en retard. Et voilà. Qu'est-ce qui m'énerve? Je les supporte pas. Hein? Allez, salut, bonne journée l'équipe. Bye. Bon courage Audrey. J'ai l'impression d'entendre ma mère. Bisous à la famille, t'étais lente aussi Guy. Ah oui, j'étais trop lent, ma mère, pareil, elle m'engueulait tous les matins. J'étais trop lent pour m'habiller, prendre mon petit déj et tout. Ah putain, elle me rendait ouf. Bon, les trucs qui vous énervent, Jérôme. Salut l'équipe, Jérôme du 62. Alors ce qui m'énerve moi, ce qui est lent, c'est les mises à jour. Que ce soit sur téléphone, ou console, ça. Tout ça. Mais on croise jouer et au final on attend une heure avant de pouvoir jouer. Allez voilà, bonne journée à vous, salut. Mais c'est vrai que les ordi en général, les smartphones, tout ça, c'est trop lent. Bah, faut le faire la nuit. Faut le faire la nuit, ouais. C'est ça, faut faire brancher la nuit. Faut faire brancher la nuit, très bien Cariole. Exactement. Et un autre truc énervant, Bill. Ce que l'on n'aime pas, c'est quand tu vas dans un fast food pour passer tes noms. Tu fais ta commande. Ça m'est sans temps arrivé, il manque toujours un truc. Pas la papa. Ah, tu n'as pas cité le nom, merci à toi Bill. Ça, on restera bien avec nos amis de McDo. Alors, parfait. Le point, c'est le référendum, vous votez, hashtag Morning de Diffoul. Les bouchons, il y a énormément de messages sur les bouchons, les queues dans les parcs d'attractions. C'est le message de Rudy. Bonjour Rudy. Et donc Guigui, ça donne quoi? Pour l'instant, en numéro 3, on l'a pas dit encore, mais c'est les SAV téléphoniques. Les services après-vente. Les services après-vente, ah oui, c'est ah ouais, quand t'attends une heure au téléphone et tout, ah, ça peut être très chiant. En numéro 2, les personnes âgées, surtout dans les caisses au supermarché, c'est encore classé. Elles ont perdu une place. C'est vrai, au moins ça descend un petit peu, c'est de mieux en mieux. Elles étaient premières les personnes âgées tout à l'heure. Et ce qui est premier, c'est les voitures sur la voie de gauche qui sont trop lentes. Oui, enfin les voitures relou, en général, les bouchons en général, ouais, c'est vrai que c'est relou. C'est premier. Si vous êtes dans les bouchons, on est là pour vous accompagner tous les matins. Ouais, et puis vous votez, hashtag Morning de Diffoul, l'appli Skyrock, le 41759. Et vos WhatsApp aussi, et puis 1 500 € à gagner. Ça c'est pratique, c'est rapide. Pour gagner 1 500 € en une seconde, il faut répondre Skyrock. Ça dure une seconde. Comment gagner 1 500 € en moins d'une seconde? Et ouais, faites comme Junior, il a gagné il y a une demi-heure 1 500 € à Clermont-Ferrand. Et 1 500 € maintenant pour quelqu'un qui habite dans le 25. On va dans le Doubs. Et on va où dans le Doubs? On va à Montbéliard. Vous êtes à Montbéliard, il y a 1 500 balles pour la famille Zucchetti. Zucchetti même. Marie-Louise Zucchetti, qu'on a tiré au sort. Allez. Dans l'annuaire, comme Junior tout à l'heure, qui a gagné. J'espère qu'elle va gagner elle aussi. 5 sonneries. Il faut répondre avant la 5e. Oui. Bonjour madame. Bonjour Marie-Louise. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Marie-Louise? Oh ben bien, comme les jeunes, pareil. Comme les jeunes, c'est bien voilà. Marie-Louise. Alors Marie-Louise, est-ce que tu m'as reconnue? Je sais pas, non, pas encore, mais ça va venir. Ça va venir, mais je vais t'aider Marie-Louise. On est en direct à la radio. Ah bon? Oui, on t'a tiré au sort, on fait un jeu tous les matins, toutes les demi-heures, on offre 1 500 €. Non, bah ça vaut le coup. Ah bah ça, c'est pas mal, Marie-Louise. Il faut juste répondre à une question, parce que je vais te poser une question. Si t'as la bonne réponse, tu gagnes 1 500 €, Marie-Louise. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien. Ah t'as vu, hein. Marie-Louise, j'espère que tu nous écoutes. On va te demander quelle est ta radio préférée. Je sais pas. Ah ça, c'est pas la bonne réponse, je sais pas, Marie-Louise. Ah bon, c'est vrai. Eh bah oui, c'est pas la bonne réponse. Il faut que je réponde. Ah bah oui, faut tenter un truc. Faut gagner, pour gagner, faut y aller, Marie-Louise. C'est une blague? Non, c'est sérieux. Tous les matins, toutes les demi-heures, il y a 1 500 € à gagner chez nous. Oh là 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 là. Radio Belfort, non? Comment? C'est quoi? C'est Radio Belfort? Non, Marie-Louise, ça n'est pas Radio Belfort. Eh ben tant pis, j'ai rien gagné. Allez, hop là. C'est Skyrock au téléphone, Marie-Louise. Skyrock. C'est le nom de la radio, Skyrock. Ah bon? Eh oui, ah c'est ça. Bon tu connais pas Marie-Louise? Non. Ah bah viens nous écouter, on est sur 97.3 sur la FM. D'accord. Donc tu te branches sur 97.3. Mais je suis au jardin. Bah tu pourras te brancher après, Marie-Louise. Après, ou tu prends ta petite radio au jardin? Ah d'accord. Eh oui, Marie-Louise. Oh, bonne journée. Eh ben bonne journée à toi. Salut Marie-Louise. Ciao. Bah ouais. Eh ben on garde le chèque. Et on embrasse Junior qui a gagné tout à l'heure. Et vous qui gagnerez peut-être le prochain coup. Skyrock le morning, c'est 1 500 € cash. Et ouais, soyez MNT sur Skyrock, c'est Soul King. Allez, tiens, il y a des messages qu'on a reçus, ils sont marrants là d'ailleurs en plus, sur les profs un peu ch'tauf. C'est vrai de parler des profs ch'tauf, c'est toujours bien. Vous pouvez balancer d'ailleurs vos collègues hein, si vous êtes prof et que vous nous écoutez. Et puis si vous êtes au bahut, même si vous n'êtes plus au bahut là, parce que ça y est, c'est les vacances, ça va vous rappeler de bons souvenirs. Des profs un peu bizarres, alors on en a une qui est pas mal, c'est la prof de Perrine. Écoutez bien la prof de Perrine, championne. Coucou l'équipe, moi c'est Perrine, j'ai 34 ans et je viens de Lille. Très bien. Alors moi la plus bizarre des profs que j'ai pu avoir, c'était une prof de religion. Oui. Pendant les cours, elle nous demandait de nous allonger et on devait mimer la position de Jésus sur la croix. Ouais, un peu chelou.
Hop. Bisous l'équipe, à bientôt. Alors mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, alléluia. Tout le monde les bras de côté. Heureusement comme ça. Qu'elle vous l'a pas fait pour de vrai, que vous avez pas cloué. Tu oui, vois. C'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, le cobaye c'est Guigui. Ah ben super. On a pris une grande croix pour Guigui. Quel honneur. Alléluia. Quel honneur. Tu vas te transformer en Jésus. Ah vraiment, je suis ravi. Ça me touche beaucoup. Bon, tout à l'heure on parlait d'une prof un peu bizarre, enfin même très bizarre, une prof d'art plastique en Angleterre qui a fait un projet artistique et qui faisait des photos topless de ses élèves, des photos de ses élèves avec la cigarette au bec, avec des bouteilles d'alcool, ça je vous ai pas dit aussi, des bouteilles d'alcool, des mains dans le slip. Ah ouais, c'est un peu nouveau. Ouais. Bon, elle a été suspendue. Hein. Elle a été suspendue. Ouais. C'est mieux. Hein. Des ailes stop scène, des doigts, des fuck avec l'uniforme de l'école, elle faisait des photos. Projet artistique. Eh ben putain. Dans un autre prof chelou, tiens Chris, qui avait un prof bizarre, vous allez voir, bizarre et puant. Salut l'équipe, c'est Chris du 78. Et ben moi j'avais un prof qui nous lâchait des caisses en plein cours. Alors des fois c'était des silencieux, mais qui... Ah, ils sont dangereux. Qui a arraché, et au début il disait que c'était des élèves. Et à un moment donné, ben, en pleine classe, il a lâché plusieurs P bruyants, mais avec une odeur horrible. Et là, il s'est fait cramer. Et après, il n'avait plus de honte, donc il le faisait normal dans la classe pendant toute l'année. Voilà, prof pétomane. T'imagines ? Vous avez eu un prof pétomane ? Bienvenue à vous, les élèves. Moi, j'ai eu des profs boules puantes, c'est-à-dire qu'ils puaient, mais ils n'avaient pas besoin de péter pour puer. Ah bah là, c'est en plus, ils pètent là, t'imagines ? Double peine, quoi. Oui, des profs un peu bizarres, bah vous n'hésitez pas, on peut en parler quand vous voulez. Moi, j'avais une prof d'art plastique, chelou, je sais pas si c'est chelou. Mais toutes les profs d'art plastique, elles sont bizarres. Ouais, c'est pas chelou. Même les profs de musique aussi. Ouais, ils sont dans leur univers. C'est des artistes. Ouais, exactement, c'est des artistes. Moi, j'avais une prof de musique, elle mesurait, je sais pas, 1m40. Elle avait des cheveux qui devaient faire 20 cm, donc elle faisait 1m60 en fait avec ses cheveux. Ah ouais, genre elle avait une crête, quoi. Elle était tout ébouriffée tout le matin. Moi, c'était une prof d'art plastique, elle avait un micro pour parler. Elle avait des enceintes aux quatre coins de la classe. Un micro. Et genre le premier jour où elle arrive, du coup moi je savais pas qu'elle avait un micro. Elle arrive et fait bonjour à vous, bienvenue les élèves et tout. Elle parlait super. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ah ouais. Et tout le monde a sursauté. Elle fait waouh, pardon, excusez-moi. Ils sont chelous. Une première plastique, il y avait un thème, c'était un dessin sur la société. Oui. Il y a un mec, il a fait une croix sur la feuille. Ouais. Il a eu 14. Ah parce qu'elle a trouvé que c'était la société, c'est ça. Ah, c'est... Ah ouais, mais j'ai déjà tenté ce genre de truc. Le mec, feuille blanche, il a fait une croix, il a eu 14. Mais tu sais ce que c'est? Ouais. Bah là, ou t'as 14 ou t'as 0 là. Bah, j'avais 0 souvent. Bah, tu as pas de chance, Cariole. C'est de l'art abstrait. Ouais, c'est ça, c'est abstrait, ouais, complètement. C'est abstrait. Ça, c'est l'excuse quand tu fais de la merde, c'est de l'art abstrait. On vous salue si vous allez encore en cours là. Bon courage, il est 8h50 et à 8h50. Eh ben tiens, pour se donner du courage, le double appel, nos familles à retrouver tout de suite sur Sky. La France est sur écoute. Eh oui. Allô. Quel con, quel enroulé. Bon enfant. Ils comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Oui. T'es pas mal sur la gueule, toi, espèce de petit branleur. C'est le double appel de Difool sur Skyrock. Allez, lors du double appel, ça fait toujours du bien le matin. Nos familles, elles sont là. On les teste juste avant pour savoir s'il y a du monde. Et là, on va passer à la mise en contact de nos familles ce matin. Multi-appel avec Patrick. Donc, on a plein de numéros de téléphone qu'on a mis en contact les uns avec les autres. Comment vont-elles réagir? Eh bien, c'est parti. On a un Thierry, on a une Marlise, on a un Christian. Il y a plein de monde. Allez, on connecte. Okay. Oh, bonjour, le chien. Il y a le chien. Allô. Bonjour le chien. Oui, allô. Oui. Très excité le chien. Non. C'est qui? C'est vous qui m'appelez? Non. Ah si. Bah non, ça fait 3 fois que vous appelez. Bah moi aussi, ça fait 3 fois que mon téléphone il sonne et que j'ai de la musique. Bah non, moi ça fait 3 fois que j'ai le coup de téléphone. Bah pareil, avec marqué indisponible, j'ai même pas de numéro. Donc, le chien. Et moi c'est écrit privé. Ah. Bah ouais, bah qu'est-ce que c'est que ça encore? Allô, Toupie. Oui. Allô. Oh, Toupie. Allô. Oui. Allô. Toupie. Qu'est-ce que c'est que ce truc à la con? C'est qui l'appareil? Gouré, monsieur. Toupie. C'est le poids, monsieur. Comment? Je dis, vous devez vous gourer. Ah, gourer, pardon. Ah, c'est pas moi qui ai appelé, c'est vous. Ah, non. Mon téléphone a sonné et je vous ai... Ouais, vous. Ah non, mon téléphone n'a pas... Moi, j'ai pas fait de numéro de téléphone. C'était pour ça que je réponds au téléphone. Oui. Et il s'est marqué secret, et donc c'est bien vous qui avez appelé. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai une bonne bite, hein. Ouais. Bah t'as qu'à te la mettre dans le cul, espèce de con. Oui, c'est quoi? C'est qui est là? Bah, c'est marqué sur mon téléphone, c'est marqué indisponible, alors je sais pas. Bah ouais, bah moi aussi. Bah dis donc. Ah bah merde alors. Bah, merde. Y a quelque chose qui va pas. Bah indisponible, de toute façon, c'est bon. Moi j'ai essayé de rappeler, mais non, ça va pas, je sais pas. Non, pas. Non, ben bon, moi, c'est pas grave, écoutez. J'ai rien qui est marqué, ça fait des étoiles. Moi, c'est juste marqué indisponible. Bon, ben écoutez. Allô? Je suis désolé.
Il y a un monsieur qui arrive. Je crois qu'il va falloir répondre. Allô, allô. Oui, allô, c'est quelqu'un qui me dit allô, là. Ben oui, j'entends aussi, moi, je sais pas ce que c'est, moi. Ouais. C'est quoi, monsieur? Patrick. Patrick quoi? T'es pas un travesti. Connard. Vous êtes un connard. Voilà. Voilà. Ta gueule. Bon, ça suffit maintenant, hein. T'es avec ton copain, là? Non. C'est qui, d'abord? T'es avec ton copain, là? Non. Dis-moi qui c'est, avant. Patrick. Ouais, c'est ça. Patrick, je connais pas de Patrick, moi. Ben, moi, je suis Patrick, hein. Ouais, c'est ça. T'es un connard. Alors, ferme ta gueule et raccroche. Oui, voilà. Comment vas-tu? Ouais, ça va. Ça va. Ah ouais, je suis à poil, là. J'adore quand tu discutes avec Patrick. Moi aussi. Voilà, la finie avec Patrick, on salue tout pile au chien. Et les doubles appels sont de retour, évidemment, ce soir. Entre 21h et minuit, tous les matins, dans le morning, il est 8h54. Réma sur Skyrock, calm down. Et attention, l'iPhone 13 a gagné. Oui, gros cadeau encore ce matin. Avec le 7-20-20, on vous laisse quelques secondes, là, pour nous envoyer le message avec 13 au 7-20-20. Vous envoyez 13 au 7-20-20. Et vous gagnez votre iPhone 13. Ça va arriver, là, dans quelques secondes. On va dire quelques minutes, le temps de faire l'horoscope de l'amour. Et puis on parlera de la fête de la musique aussi ce matin. La fête de la musique avec des messages qui nous ont fait rigoler ce matin. On a eu le message de Juju qui va fêter la fête de la musique ce soir. On aura une compile d'ailleurs de musiciens et de chanteurs dans l'actu. Ce sera notre compile de l'actu. Et Juju, lui, il a une très très bonne idée pour la fête de la musique ce soir. Eh, hey, salut l'équipe. Eh, hey, moi Juju. C'est Jules du 08. Ouais, Jules. Eh ben, emploi du temps en ce jour de fête de la musique. Je vais faire péter les watts, je vais faire chanter ma femme. Ce soir, c'est baise à volonté. Oh, allez, salut. Toi, t'es super, salut. C'est très mignon. Salut Juju. Et un peu dans le même style, Steven a de très bonnes idées pour la fête de la musique de ce soir. Salut l'équipe, c'est Steven de Valence. Alors, pour la fête de la musique, avec ma femme, on va aller en ville ce soir, boire un verre. Il y a plein de petits concerts, c'est sympa. Oui, c'est rigolo. Et en rentrant, je vais lui faire faire de la flûte. Allez, bisous. Et voilà, très bien, on va jouer de la musique à la maison, un petit coup de flûte. Ah, très bien. Et Hello aussi. Alors Hello, elle subit la fête de la musique, mais elle, c'est tous les jours. Coucou, c'est Hello du 28. Ma voisine, je l'appelle la Castafiore. Parce qu'elle a un groupe de musique, mais elle se rend pas compte qu'elle chante vraiment comme une casserole. Et tous les étés, on a droit à ces super concerts. C'est une catastrophe. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Allez, ciao, des gros bisous et bon courage. Hello, la fête de la musique, on en reparle dans un instant. Allez, vite, envoyez 13 au 7-20-20. Fait le tirage au sort juste après l'horoscope de l'amour qu'on découvre tout de suite à 9h-1. Tu veux savoir comment va se passer ta journée? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh oui, c'est le jour de l'été, c'est le 21 juin. Et comme tous les jours, tous les matins sur Skyrock, l'horoscope de l'amour, vos puissances amoureuses sur l'échelle de 0 à 5, le 0 du jour, c'est pour les Verseaux et les Sagittaires. Bon, on a des conseils pour vous. Il ne faut pas sacrifier trop aujourd'hui pour vos amis ou votre chérie. Ouais. C'est une journée pour penser à vous et c'est comme ça que vous passerez la meilleure journée. Les Lions et les Taureaux, vous avez 1 sur 5. Si quelqu'un dans votre entourage qui doute de vos sincérités, eh bien vous saurez prouver qu'il ou qu'elle a tort aujourd'hui. Les Balances et les Gémeaux, vous êtes à 2. Vous serez en mode détente et vous repousserez toutes les corvées aujourd'hui. Bon, attention quand même de ne pas vous mettre trop en retard. Sinon, belle journée, bel été. Les Béliers, les Capricornes, on est bien, on est à 3. On ira de l'avant ce premier jour de l'été, de l'avant dans nos histoires d'amour et d'amitié. Les Scorpions et les Cancers, un beau 4, avec pour les célibataires de grandes chances de faire une rencontre aujourd'hui. Et pour les couples, l'amour de votre partenaire qui vous donnera de la force. Et pour finir, les meilleurs du jour, la meilleure note, c'est 5 sur 5. C'est pour les Poissons et c'est pour les Vierges, et avec bim. Une excellente nouvelle qui vous fera plaisir. Et oui, bim, tout va vous réussir en amour, mais pas seulement. Réussite totale dans tous les domaines de la vie. Bravo les Poissons, bravo les Vierges. Et réussite totale maintenant au 7-20-20. Vous envoyez 13 au 7-20-20, 13 000 euros vendredi. Et l'iPhone 13 tout de suite. Skyrock, 13 000 euros cash. Plus un iPhone 13 tous les jours. Qui va gagner l'iPhone 13? On a tiré qui? Jamel. Allez, on appelle Jamel. Il y a tous les Jamel qui sont inscrits, qui doivent être des oufs là. Allez Jamel, on lui passe un coup de fil. S'il répond, eh bien il y a peut-être l'iPhone 13 au bout du coup de fil. Faut vite répondre Jamel. Allô? Tu as répondu Jamel. C'est oui. Tu qui es au téléphone, Jamel. Mais oui, carrément, j'ai deviné. Oh, alors, c'est ouf. C'est ouf, hein. C'est ouf, c'est l'heure d'iPhone 13. Bienvenue sur Sky, Jamel. T'es où? Oh putain, c'est bon. Je suis à La Rochelle. T'es à La Rochelle. Salut les Rochelles. T'as eu de l'orage hier soir? Bah ouais, carrément, ça a pété. Ouais. Ça a pété même à 20h. 20h, ça a commencé. Ça a pété. Bon, là, on va faire péter l'iPhone 13. J'appuie sur le bouton. On va voir si tu le gagnes tout de suite, Jamel. Tu as envoyé 13 au 7-20-20. L'iPhone 13 au bout du coup de fil. Au bout du coup de filet. Au bout de mon doigt, là, puisque j'appuie sur le bouton pour savoir si t'as gagné, on y va. iPhone 13. Eh bien, c'est gagné, Jamel, un iPhone 13 pour toi. Bravo, Jamel. Oh, je suis Max.
Je suis content, sérieux, franchement. Ah bah je te comprends, bon, Jamel. Hein. Mais... Tu m'étonnes. Ah, tu peux. Je suis content. Ah ouais, j'aimerais bien gagner l'iPhone 13 aussi. Ouais, moi aussi. Arrêtez. Ah bah non, mais attends, j'ai un pauvre iPhone, c'est quoi? C'est le 11 ça? Ah, bonne question. Ils sont pas les pareils, ils sont tous sur rectangle. C'est pas les ouais, mais ça après, c'est votre choix, vous, ça. C'est vrai, ouais. Toi, t'es bien, de toute façon, toi, j'avais qu'à tirer au sort. J'avais qu'à envoyer 13 ou 720 plus vite. Ah, ouais. C'est bon, ça. Non, franchement, je suis hyper content sur les gars. Vous gérez grave. Bah, bravo à toi, Jamel. Félicitations. Et puis, vendredi, 13 000 euros à gagner. Reste à l'écoute. Vendredi matin, non, tu écoutes, on t'appelle, tu gagnes 13 000 balles. On est là, toujours, tous les jours, toujours. Salut, Jamel, belle journée. Oui. Merci à vous aussi, les gars. Salut. Et une belle journée. Faites de la musique dans un instant. Mais oui, faites de la musique. Compile de musiciens et chanteurs dans l'actu. Et puis le séjour à Astérix a gagné aussi. On vous gâte le matin. Il est 9h02 sur Skyrock. Yeah. Skyrock, 6h-9h, le morning de Difool. The morning show. J'écoute le morning de Difool dans toute la France. C'est là qu'ils pensent. Ils sont premiers sur son réveil. Ouais. Ils sont prêts à tout. C'est le morning de Difool sur Skyrock. On dirait tous les matins. Et belle journée sur Skyrock, ça y est, c'est l'été, c'est le jour de la fête de la musique et on en a parlé ce matin, on va en reparler tout de suite avec notre compile de l'actu, la compile de l'actu, compile de musiciens et de chanteurs. Un petit tour d'équipe, vous faites quoi pour la fête de la musique aujourd'hui? Radio Libre ce soir. Très bien Karim. On fait tous Radio Libre. Moi, au lit. Dodo, ouais. Ah bah je vais me coucher tôt. Tu vas te coucher tôt? Ouais. Théo, t'as prévu un truc pour la fête de la musique? Absolument pas, non je vais dodo moi. Ouais, on sérieux. Était lève-tôt nous. Vous êtes trop sérieux dans l'équipe Sam. Moi j'ai Big Flo, vu que Cariole est va au lit. Excellent. Et Rémi, est-ce qu'il se passe quelque chose en Normandie pour la fête de la musique dans cette belle ville de Saint-Marcel? Bah ouais, j'y vais avec tous les potes et tout, c'est cool, il y a un food truck, on va manger. C'est la fête de la musique, pas la fête de la bouffe. C'est la fête du hamburger pour Rémi. C'est pas la fête de la bouffe, Rémi. C'est les deux. Et tu veux pas faire des vidéos? Bah, si vous voulez. Défile, moi. Comme ça, on voit ce qu'il y avait. Ouais, puis demain, on fait un débrief. Bah, des fois, j'en vois des foules des vidéos. Demain, faites-nous un débrief de la fête de la musique. On en parlera dès 6h du matin. Vous nous envoyez vos messages. Vous enregistrez des trucs, des vidéos aussi. N'hésitez pas. On est prêt à tout. Demain matin, débrief de la fête de la musique. Mais tout de suite, compile de musiciens et de chanteurs dans l'actu. C'est la compile. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. Ils ont fait la une de l'actu. La fête de la musique a 40 ans aujourd'hui. Ça a été inventé en France par un ministre qui s'appelle Jack Lang. Jack Lang, oui. Exactement. Et c'est dans le monde entier. Maintenant, tout le monde fait de la musique. Ouais. Grâce à nous, les Français, on invente, on est trop intelligents. Bravo à nous. Ouais. Allez, c'est parti. Faites de la musique avec la place numéro 3. Numéro 3. Bref. Parce que ça, beau secours, quoi. C'est un ouf, il danse. Bah, il fait n'importe quoi. Mais non, il danse, c'est la fête de fou. Il est sur une pile électrique. Dégage là. Il me caresse le dos. Bah alors. C'est pas possible. Bon, aux States, on va. Il y a de caresse dans l'équipe. Hein, c'est vrai. Non, mais tout le monde me caresse ici. Arrêtez ça. Hein, c'est sauf bon. Moi. Ouais. Aux States. Parce que tu pues. Aux States. Un mec a composé un son avec des préservatifs. C'est très original. Il a collé les capotes sur le micro. Il les tord, il les gonfle, les étire et réussit à sortir un morceau de musique. Séquence filmée pour les besoins d'une association. Et ça fait le buzz. Écoutez ce que ça donne. Ouais, j'ai d'ailleurs la vidéo qu'on va vous mettre sur l'Insta du Morning de Difool. C'est ça. Oh, c'est grave, dis donc. Ça, c'est pas mal, ça. On dirait de la basse. Avec des capotes. Ce mec est dingue. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à faire un morceau de musique avec des capotes? Bah, j'ai jamais essayé. J'ai déjà fait des ballons et je les ai éclatés, mais je passais de la musique, quoi. Non, pas trop. Non, mais c'est pas mal ce qu'il fait, le gars. Putain, le mec est bon, hein. Ouais. Non, mais avec des casseroles, par contre, j'ai fait de la musique. Avec des cuillères en bois et des casseroles en cuivre. Vas-y, fais ça et enregistre tes voisins ce soir. À la place numéro 2 de la compile. Numéro 2. Eh bien, on va aller au Japon avec une émission de télé qui propose une épreuve intitulée Le karaoké de l'amour. Comment ça se passe? Le principe, c'est simple, c'est de chanter face caméra tout en se faisant masturber. Voilà. Ah, voilà, donc tu as une dame qui masturbe les messieurs, les gens y chantent et voilà ce que ça donne. Oh, c'est fini. À la fin, elle est venue. Il est venu. C'est marrant, on a aussi la vidéo à vous mettre.
Non, il y a un petit rideau qui cache. Ah, il y a un petit rideau. Ils sont malades. C'est vrai que c'est pas facile. On a remarqué, les Japonais ne chantent pas très bien. Et à la place numéro 1. Numéro 1. Direction l'Espagne avec toujours de la musique assez originale, puisqu'un percussionniste s'amuse à faire de la batterie sur des cucus. Une dizaine de femmes sont positionnées les fesses en l'air, en string. Sympa ça. Ah ouais, et lui cool. Il tape dessus en rythme. Et lui aussi, ses vidéos font le buzz. Même si c'est drôle, il a expliqué que c'était une façon pour lui de dénoncer l'exploitation de la femme objet dans les clips musicaux. Ah bah oui, le mec il tape sur les culs de 10 femmes. Grave. Et il dénonce. Je vais dénoncer, tu vois. Et la bonne cause abonde. Mais en tout cas, ça fait quand même un petit son sympa. Ah, tu as le son? Oui. En plus, j'adore les fessées, moi. Ah bah, tu vois. Il fait ça avec un cul. Là, il y a un synthé. Ah, d'accord, ok. Attends, ça groove un max. Ah, ok. Non, c'est pas mal. Il est rapide, hein. Ouais. Donc, si vous voyez des trucs un peu bizarres de ce style ce soir, n'hésitez pas, on en reparle demain. Rémi, c'est son rêve. Ouais. Non, j'avoue, c'est cool. Mais ça s'appelle cul. Tu préfères pas la petite branlette au Japon? Ah, non. Non, encore. Il est 9h15 sur Skyrock. Une belle journée à vous. Et c'est l'été, c'est la fête de la musique, mais c'est également la journée mondiale de la lenteur. Et donc, ce matin, on a lutté contre les trucs trop lents qui vous énervent. Merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés. Et on fait un point définitif sur les trucs lents qui vous agacent le plus. Ouais, il y a le top 5. Le top 5, top 5 tout de suite. À la place numéro 5, ce qui vous agace et ce qui est lent, c'est la Wi-Fi. La Wi-Fi classée 5e dans vos messages. Non, mais ça, c'est vrai. Ils te disent la Wi-Fi, ouais, vous avez la fibre, vous allez voir, ça va une vitesse. Ouais, t'as la 10G, ça marche toujours pas. Exceptionnel, oui. En numéro 4, ah ouais, ça, c'est une galère. C'est le temps pour refaire son passeport. Ah, ça va, surtout en plein dedans. Ah ouais, en ce moment, c'est très très long. Mais c'est quoi, c'est 2 mois, non? Ah non, c'est plus que. C'est 6 mois. En fait, c'est plus parce que les gens sont pas partis en vacances pendant le Covid. Exactement, ils ont pas vérifié la fin de leur passeport et là, ils veulent tous partir, mais il n'y a plus de passeport. Et tout le monde veut faire le passeport. Et du coup, ouais, faut faire la queue, quoi. Ouais. En numéro 3, bah, c'est passé 3e, c'était 2e tout à l'heure, c'est les personnes âgées que vous trouvez lentes, notamment dans les caisses des supermarchés. Bon, je vous félicite parce qu'elles étaient premières tout à l'heure à 7h30, elles sont passées 2e à 8h30. Vous avez du respect pour les personnes âgées. Ouais, de plus en plus. Vous les faites passer à la place numéro 3. Exactement. Merci. En numéro 2, les appareils technologiques, genre les ordi, les téléphones. Il y a eu beaucoup de messages sur les mises à jour aussi qui sont très longues. Non, mais c'est vrai, c'est énervant. Ouais, mais faut les faire la nuit, vous verrez, ça passera plus vite. Bah oui, mais quand t'as plus de batterie, que tu mets un quart d'heure à recharger ton iPhone, je le disais tout à l'heure. Ouais, c'est relou. Bah tu le recharges la nuit. Hein? Merci Sam. Merci. Et ce qui arrive numéro 1, c'est les bouchons en général. Et beaucoup de messages aussi sur les voitures qui sont sur la voie de gauche et qui n'avancent pas. Voilà, vous êtes pas à vous écouter dans les bouchons. Ça vous a énervé, c'est trop lent. Mais merci pour vos votes. Le référendum, le grand référendum du morning, tous les matins, avec nous et avec votre avis. Et tout de suite, le zap. Et oui, on finit avec le zap et Astérix dans un instant. Zap du morning, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bah écoutez, plein de choses. On a un très beau réveil de Star avec Nino. Et puis pour tout le reste, on écoute depuis 6h ce matin sur Sky. Le meilleur du meilleur. Le pire du pire. C'est le zap du morning de Default sur Skyrock. Bonjour Gariole. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Ça va, on est content de te retrouver. Ça s'entend d'ailleurs. Oui, on entend ta voix. Tu as une très belle voix. Tout va bien. Bah, bonjour Gariole. Bonjour Karim. Les deux cas sont là. Bonjour les cacas. Bonjour les cacas. Salut les cacas. Salut les cacas. C'est excellent. Vous devriez faire un groupe tous les deux, les cacas. C'est la fête de la musique là. Vous allez peut-être arrêter, non? Bah écoutez, je vais venir là brancher mes platines pour faire un spectacle là pour la fête de la musique. Ah, je vous emmerde, monsieur. Au revoir, c'est monsieur. Je vous remercie, madame, c'est très sympathique. Tu allais dans les rues et tu draguais les meufs. Bonne journée pour draguer les. Faut nous raconter si vous avez fait des belles rencontres lors de la fête de la musique. Racontez-nous tout. Hein. Ah, mais évidemment, c'était la folie, laisse tomber. On attend les témoignages. Je pouvais en serrer, mais je m'en étouffe. Mais je pouvais. Ah, ouais, carrément. Je pouvais en serrer une dizaine grâce à. Qui est-ce qui est jaloux de ton histoire d'amour ou de tes histoires d'amour à Lyonna, toi? C'était mon chat qui avait une tendance à attaquer les pieds, des garçons que je pouvais rencontrer et voilà. Donc quand tu ramenais un mec à la maison, il y avait ton chat qui attendait, il voyait arriver le mec, il était là, on ne l'aime pas lui. C'est-à-dire que je vois tout le monde s'amuser, alors que moi je vais bosser, oui. Et les gens ils sont bourrés, tu sais, ils te bousculent, ils te chantent dans les oreilles, ils veulent danser avec toi, et je déteste ça. C'est comme je suis un vieux. Vas-y, j'allais te demander, Guigui, est-ce que ça
folle, ta chatte. Oui. Et elle est jalouse de tes meufs. Excuse-moi, Guy. Il y a l'iPhone 13 à gagner. Bonjour, Médeline. Bonjour, Médeline. On lui a pas dit bonjour, vous l'avez entendu. Elle était triste parce qu'on ne lui a pas dit bonjour, le petit chien. Bonjour, petit chien. Mais qu'est-ce qu'elle veut, la bête? Son petit déjeuner. Ah, son petit déj. Ah, allez, tiens. Ah. Bon petit déj à vous aussi. Tiens, prends ton petit déj, Médeline. Allez. Bon petit déj à vous aussi. Bon réveil sur Skyrock. Tu gâches le moment, Zifoul. Ah, faut pas que je parle quand elle mange. Ah putain, la relou. Hein? Je parle pas de Médeline, je parle de Carriole, bien sûr. Bien sûr. Et qui est-ce qui a l'appareil là? Allez, Burne. Oui? C'est encore un PD que j'ai à l'appareil. Hein. Oui, monsieur? Pardon? Oui, vous appelez pourquoi, monsieur? Va te faire foutre, connard. Ah, d'accord. Allô? Allô? Ah, faut peut-être appeler l'hôpital psychiatrique là, non? Oui. Ferme ta gueule. C'est con, quand vous buvez trop, vous vous retrouvez dans le même état que Miguel et vous avez rien à raconter derrière. C'est ouais. Con. C'est dommage, ça, Miguel. Hein. Mais même pas un petit éclair, un petit souvenir, un groupe qui déchire tout, je sais pas. Un flashback, quoi, non, ouais, rien. Non, rien. Dans les groupes qui déchirent tout, non, pas trop, parce que souvent, ils sont claqués. Ouais. Ouais. Ah, okay, c'est ça. Salut, Jules du 08. Salut, Jules. Eh ben, emploi du temps, en ce jour de fête de la musique. Oui. Je vais faire péter les watts, je vais faire chanter ma femme. Ce soir, c'est baise à volonté. Oh. Allez, salut. Salut, elle veut faire des vocalises. Très bien, Jules. Salut, c'est Nino. Ouais. Johnny. Non, je vous le passe. Ah ouais, c'est génial. Non, c'est génial. Allô. Oui, bonjour. Il y a Johnny. Bonjour. Il a fugué pour te rejoindre. Ça, c'est romantique. Ouais, il a fugué pour me rejoindre. Et puis, il a pris le train. Il est revenu à pied. Et ses parents ont appelé les miens pour savoir s'il était bien là. Il était bien là. Donc, mes parents l'ont accueilli. Comme c'est romantique. Et on a passé quelques jours ensemble. Il était content. C'est bien. Mais j'ai jamais voulu de lui. Ah, d'accord, c'est sympa. Le mec, il s'est cassé le cul pour rien. Ouais. Et c'est qui? C'est Didio. Hein? Salut, c'est Nino. Oui? Je sais qu'elle m'aime à la folie. Mais oui. Eh, tu te fous de ma gueule, non? Il paraît que tu as annoncé vouloir faire un break. Tu me prends pour un con ou quoi? Ouais, carrément. Mmh. Ouais, ben, fais gaffe à ta gueule parce que moi, je vais te démonter. Bla, bla, bla. Je vais te démonter ta gueule si je te rends compte, d'accord? Je cherche une Game Boy ouais. 1. Alors, sur eBay, j'en ai trouvé quelques-unes, mais j'en cherche une. Si vous en avez une, n'hésitez pas. Ouais, en général, quand t'es au téléphone et que tu passes genre à 5% ou 10%, t'as un petit bruit qui fait tout doudou. Oui. Bah, du coup, ça te prévient qu'il faut charger quand même. Non, ça fait tout. Donc, t'aurais été prévenu. Non, c'est pour les AirPods. C'est pour les AirPods, il a raison. Tout doudou, non, c'est non, l'AirPod. Ça fait aussi pour l'iPhone. Non, c'est l'AirPod. Non, tu vérifieras les deux. Ah. Non, je te dis, c'est l'AirPod. Ah, monsieur, je sais tout. Pour ouais, ça. Monsieur, je sais tout. Je te dis, ça fait pour les deux. On fera le test. Non, je suis sûr. Et du cannabis de ouf. Ah bah oui, je fume pas de la drogue non plus, connard. Ah bah. Mauvais bandit, on pense qu'à voler, ouais. Non, mais t'es vraiment un shooté, toi. T'es un connard, toi, ouais. Tu te démerdes, moi, sur la gendarmerie. Oui, gendarmerie nationale, c'est qui? Ça va quoi, mon frère? Non, moi, le truc le plus romantique, je crois, j'avais offert un pins du PSG. Ah là, ça c'est sûr. Voilà. Salut, Steven. Alors, pour la fête de la musique, avec ma femme, on va aller en ville ce soir, boire un verre. Ouais. Il y a plein de petits concerts, c'est sympa. Oh, cool. Et en rentrant, je vais lui faire de la flûte. Oh. Allez, bisous. Mais les gars, vous pensez qu'à ça, c'est dingue, ça, quand même. C'est très classe. C'est bon. C'est classe, ouais. J'ai posé une question, on est en direct à la radio. Tu me dis quelle est ta radio préférée et tu gagnes 1500 euros. Skyrock! Mais je te souhaite bien. Eh bien, Junior, t'as la peine. Merci! Eh ouais, bravo Junior à Clermont, il a gagné ce matin à Clermont-Ferrand. Bravo Junior, vous aussi répondez Skyrock, le morning c'est 1500 balles à gagner. Et là, le séjour Astérix qu'on va vous offrir ouais. tout de suite. Ouais. Allez, on finit en beauté. On a aussi offert un iPhone 13 tout à l'heure, on n'arrête pas, c'est la folie. Là. Le séjour. Le séjour, voilà, c'est ça pour que Mathieu. Je voulais dire. C'est pour Mathieu, très bien. Allô? Allô Mathieu? Oh. Mathieu? Oui, allô? Ah, c'est toi Mathieu. Tu gagnes le séjour Astérix, Mathieu? Un week-end non, Astérix pour toi, pour 4 personnes. L'hôtel, la bouffe, mon équipe, la totale. Tu vas manger du sanglier, ça va être super. Bravo non, Mathieu. Déchiré, ça fait trop plaisir de vous avoir, ça va faire plaisir pour les enfants, tout ça. Ah bah donc tu vas y aller avec les enfants, c'est parti. Voilà. Allez, voilà, direction Astérix. Tu sais que c'est valable pendant un an, tu peux y aller quand tu veux. Ok, non mais vous déchirez, franchement l'équipe continue comme ça, vous êtes trop fort. Et bah toi aussi Mathieu, rendez-vous tous les matins, on est là. Ce soir on compte sur toi pour la radio libre dès 21h. Et puis bonne Astérix, tu nous enverras des photos Mathieu. Super, y'a aucun problème. Franchement continuez comme ça et vraiment vous êtes au top, changez rien. Eh bah merci Mathieu, t'habites où au fait?
J'habite à Chambourcy dans les Yvelines. Eh bien, on t'envoie ça dans les Yvelines, direction Astérix pour Mathieu et pour vous demain matin. Vos séjours à Astérix gagnés tous les matins jusqu'à vendredi. Profitez bien. Ciao Mathieu, et puis rendez-vous. Salut Mathieu. Ce soir, je vous le disais, dès 21h pour la Radio Libre. Les leftos demain matin, on compte sur vous dès 6h. Ouais. Passez une bonne journée. Bonne fête de la musique. N'hésitez pas à nous appeler ce soir en direct de la fête de la musique si vous y allez. Et puis là, tout de suite, c'est Maxime. Bah, fête de la musique, c'est tous les jours sur Skyrock. Hein. Évidemment. Eh bah oui. Salut Maxime. Salut, salut. 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 C'est parti, c'est Urban Music Non-Stop. C'est jusqu'à midi. À tout à l'heure, 21h. Tous les matins, c'est le morning de Default sur Skyrock.